ça marche. Oh, la voiture de sport, la meilleure voiture du monde. Hop, on la vole. C'est la meilleure voiture blindée. Ouais, c'est ma meilleure voiture. Elle est très belle. Avec ça, on va pouvoir discuter avec les gilets jaunes. Non, elle est pas mieux. J'ai dit, c'est ma meilleure voiture blindée. Non. Mais c'est pour ça que je dis que c'est ma meilleure voiture blindée. Voilà. Ah merde putain. Ah ouais, déjà parfait. Encore un riche. Encore un riche que venir se la ramener. Tu as donné le pognon à l'état toi, sale feignant. Hop là. Hop, personne n'a rien vu. Bon, il y a peut-être quel, il y en a peut-être un. J'ai peut-être croisé un gilet jaune à cette heure-là, il est quelle heure? Ah, j'ai pas l'heure. Ah, si, ah bah si, c'est bon, il est 8h, c'est bon, il doit avoir quelqu'un. Hop. Ah. Il y a mes gardes du corps qui arrivent. Ah, c'est parfait. Yep. Ah merde. Ah. Le policier, venez me chercher, ma voiture est cassée. Ramenez-moi jusqu'au gilet jaune et escortez-moi et que ça saute. Dépêchez-vous s'il vous plaît, je suis en retard pour mon briefing vers les gilets jaunes. Il y a aussi la reine d'Angleterre aussi qui veut me voir, donc alors si on pourra se dépêcher, ce sera pas mal. C'est pour l'Union Européenne. Ah merde, putain, je suis coincé. Oh, fais chier. Ah, ok. Normalement t'as reçu une invite pour rejoindre la session. Hop, on a rien vu. Ah ok, ça marche. Ah tiens. Ah non, ceux-là c'est des chômeurs. Ah bah t'as des chômeurs, ça tombe bien, hop. On va aller voir. Hop, voilà, on va stopper. Vous avez pas honte de lire le journal à votre âge? Vous avez financé l'état, bande de feignants. J'ai plus de cul. Ah merde, putain, je vois une voiture qui tombe sur la tête. Vite, on se casse, on se casse, on se casse. Y'a mec, y'a les flics. Ah bah non, attends, on va les attendre, ils vont nous escorter. Allez, qui se dépêche, ces feignants? Où est mon escorte? Qu'on se dépêche, la reine d'Angleterre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je me suis pris un tampon dans le cul. Aïe, ça fait mal, aïe. Je suis aveugle. Et merde. Je suis aveugle. Oh. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, hop, j'ai misé l'état dans le casino, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Au secours, mon cortège. On veut pas aller me laisser parier. Hop là. Ah, je suis président, j'ai le droit de rentrer avec ma voiture. Aïe. Aïe. Ah.
Bon, allez hop, casino. Ma fortune est faite. Ah, 40 000. Ah, je pourrais me refaire l'état. Ah, voilà. Car Roland, il m'a fauché hein, une partie de l'Elysée, ce gros phoque. Ce gros pingouin, il m'a volé mon... à la partie de l'Elysée, ça coûte cher. Ah. Un clochard. Un clochard du casino. Vous avez besoin d'argent? Va bosser, gros feignant. J'ai besoin de sous. Hop. Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that, a savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit, again. But head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best hein? Nightclub. Ah, okay. Ouais, je suis en live, mais y'a personne. Chercher l'alien. Attends, il y a un alien. On va faire la chasse. Aïe. Hop. Oh, du coup, c'est que j'ai envoyé une. Il m'a gardé ma Lucas, ah, c'est sympa. Ah, il y a quelqu'un, c'est le champagne. Ah, ok, ça marche. Bon, bah, on peut ranger le champagne. Ah, y a un bip bip qui traîne, on me dit dans l'oreillette. On va manger du bip bip et du coyote avec. Ce sera le supplément sauce blanche, le coyote. Ah. Oh.
Ah, bon, quand je commence à bugger, ça me fait, ça commence à me saouler. Oh, il y a un train. Ah merde. Putain, la SNCF. Attends, on va faire demi-tour, on va casser la gueule. Allez. On va casser la gueule à la SNCF. Ils vous ont voulu tuer le président, car ces feignants là, ils sont déjà jamais à l'heure. Ah, il y a Romain qui est revenu. Ah. Attends, il y a peut-être un gilet jaune qui doit traîner dans le coin. Ah, pas grave, Romain, t'inquiète pas. Aïe. Attends, on les discute, on va discuter avec eux. Alors mes enfants, voyons, on comprenions. Nous comprenions. Aussi en même temps, vous êtes tous des chômeurs sans emploi. En plus ça, avec ta tête, on dirait un Teletubbies, toi. Mais regarde-moi ça, cette tête de blaireau, on dirait un Teletubbies, allez. Oh non, oui, oui. À bout le pognon à l'État. Donne le pognon de l'État. J'ai plus de pognon. À boule, à boule. Ah merde, putain. Ah merde, ils sont appelés les gilets jaunes. Ah merde, il y a les renforts des gilets jaunes qui sont arrivés. Merde, 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 aïe. Aïe. Je crois que j'ai dû me prendre une balle en pleine tête. Je me battais contre la résistance. J'ai perdu. Allez, hop, on la voit en douceur. Hop. Comme ça, personne n'a rien vu. Bon. Ouh. On va faire barrage. Il y a la SNCF qui doit traîner dans le coin. Banzai! Aïe! Mon cul! Pas le temps. Non. Viens là! Venez là, monsieur la SNCF! Venez là! Venez là! On sait très bien que vous voulez. Aïe! Aïe! J'arrive pas à discuter avec la SNCF! Ils veulent parler avec le président! Bon, par contre, c'est que je suis un peu coincé, c'est un petit peu naze. Ah, ok, t'es bloqué. Ah, ah. Arrêtez-vous, monsieur. Monsieur, arrêtez-vous. Ouais, après c'est ça. Aïe! Attends, j'essaie de discuter avec le gilet jaune, j'arrive pas, avec la SNCF, et merde. Bon, alors il. Bon. Ah, parfait. Venez là, monsieur, attendez, monsieur! Aïe, 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 j'ai une voiture qui. Ah bah attends, ma voiture a. Oh merde, putain, je suis coincé. Et merde. J'ai réussi à quoi, c'est ma bagnole? Ah oui, je t'ai vu voler. Oh, punaise. Bon, il y a forcément un petit gilet jaune qui doit traîner là-dedans. Ah, et moi, je pense pas qu'elle va revenir, vieux. Hein. Elle vient une fois de temps en temps, mais elle vient pas non plus H24. Du coup, il a fait fuir Aurélie, putain, fait chier. Ouais. Aïe! J'ai pris une voiture dans le trou de balle. Ah non, putain! Non, du coup, j'ai loupé ma voiture. J'ai loupé ma voiture. Taxi, revenez là! Revenez là! Il y a un fou furieux! Revenez là vite, embarquez-moi. Hop, toi, donne la voiture. T'es moche, on... Ah, oui, bah tu dois te placer. Attends, attends.
Ah. Attends, dans le trou de balle. Ah merde, j'ai loupé les fesses. Ah merde, attends. Attends, je suis ivre un peu. Hop. Donne le pognon à l'état. Ah. 24. Aïe. Putain. T'es chiant. Ouais. Ça se trouve, Emma est déjà en couple. Toi, donne la voiture. Attends. Attends. Ah oh, putain, du coup, c'est que tu me l'as fait fuir. Hop, bouge pas. Hop, à bout le pognon. Merci. Par contre, j'exige une limousine. Attends, je crois que j'ai assez pour me PA pour. Ah bah attends, je vais m'en acheter une. Ok. En privé. Et lui, il y tient vraiment ça. Ah. Merde, du coup c'est que j'ai pas eu le temps de regarder ma limousine. Fais chier. Ouais, mais ça, pourquoi pas un mot, mais du tout, par contre. Alors, hein. Ah, j'y crois à 0%. Ah, voilà, un truc légendaire, bon, il y a peut-être une mine. Oh. Par contre, tu tures, bouge surtout pas. Aïe, attends, mais j'arrive, je peux même pas regarder les voitures. Je regarde les voitures. Ouais, mais franchement, bon, moi, par contre, parce que tu dis un peu chat, tu vois. Du coup, t'as un peu le choix, tu vois. Ah, j'ai trouvé la voiture de mariage. Elle est bien celle-là. Je vais emmener Brigitte là-dedans. Elle sera contente. Vas-y. Ah tiens cette bagnole-là, là. Albany sera pour inviter Monsieur Monopoly pour qu'il mette mon jeu, ma tête sur son jeu de merde. Voilà, sera c'est parfait. Ah. Bon, alors, du coup, c'est. Cool. Temps, moi. Du coup, c'est que je trouve même pas ce que je voudrais bien payer. Les véhicules blindés, c'est pas qu'on les trouve. Ça dépend, tu veux quoi? N'importe. Mais tu veux, il y a ma Paragon L blindée comme j'ai. Elle est blindée, elle résiste à de gros pièces, 8 par balle, elle est gratuite. Ah non, mais sur les après, sites. Si tu... Oui, après, si tu veux un truc un peu plus militaire, tu vois, par exemple, sur Warstock, Cash et Carré. Ouais. Il y a pas mal de. Un truc militaire. C'est un petit menaceur qui te pourrait, le petit blindé, camion blindé, tranquille. Ou alors tu as un petit véhicule anti-émeute. C'est où? Petit véhicule anti-émeute, c'est dans Warstock, enfin le truc de guerre, tu vois. Ah, dans le truc où j'étais. Je sais pas où on achète les tanks. Oh, punaise. Ou alors si tu veux, en type haut de gamme hélico, il y a le Akula qui est le meilleur hélico du jeu pour moi. Ok. Il y a la Tampa armée qui est un très bon véhicule blindé, tourelle depuis l'avant. Non, très bien, c'est très bon. T'inquiète pas, Marmotte, je te dépannerai en thune si tu veux. Et du coup, c'est que je trouve toujours pas. Ah, je trouve un garde du corps. Ah, Michel, minigun. Putain, oh, Michel, il a des gros bras. Hein. Enfin, je sais pas où t'as trouvé la tenue parce que même moi je trouve pas. Ah si. J'ai regardé les hangars à l'armée, combien ils coûtent vite fait. 2000 ou minimum je crois. Ah ok. Je crois mais je suis pas sûr. Attends, je crois que j'ai assez. Il y a 10 millions 100 000.
suis arrivé en limousine, moi, perso. Ok. J'ai mis juste... Non, du coup, c'est que j'ai même pas le temps de... Ah, calme-toi, cousin. Il a vu une fois, il a envie d'avoir des enfants. Ouais, j'avoue, voilà. Hein. Non, mais calme-toi, par contre, gros, parce que... Quand même... Ça se trouve, Emma, elle est en couple, et puis elle s'en fout littéralement de ta gueule. Ouais, je pense plus que je pense plus que tu l'ennuies, mais extrêmement, en fait, et à faire ça. Hein. Parce que je vais pas te mytho qu'à se pas comme ça doit être un peu souvent, tu vois. Ouais, parce que voilà, quoi. Ah merde, putain, il m'en manque pas beaucoup. Ah ok. Du coup, t'es parti où quand je sais que... Ah, il se casse avec ma caisse comme ça, lui. Ah ok. Je pensais que t'étais monté dedans. Ouais. Vas-y, je t'ouvre la porte. Ah merde, attends. Ok, ils sont littéralement... Non, attends, je jouais dessus, je me suis trompé. Ah, alors... Attends, putain, de merde. Alors, tu peux monter à l'avant pour que tu ouvres la porte à l'arrière. Parce que si t'es pas là, je peux te ouvrir la porte, donc au pire, ouvre la porte. Attends, qu'est-ce qui me fait comme connard, mon perso? Ah, parfait! Hop, voilà. Attends, j'ai juste changé la cape. Ah, le chauffeur, il y a pas de bouteille de vin qui traîne ici! Ouais, ça va, je l'ai volé la caisse, je pense pas plein, Laurent. Ok. Ah merde, putain, je me suis trompé. Je pensais avoir. Fuck! Hey, je suis le président, regardez! Je suis hors la loi, je vous encule! Donnez-moi du pognon! Et ça sera tiens, pas mal! Ça passe! Je trouve pas d'habitants à faire chier. J'en vois pas. Hein. C'est chaud les dérapages avec la voiture. Ah si, j'en ai vu un, la grosse, donne-moi le pognon. Ah. La grosse, voilà grosse. Attendez, reculez chauffeur, reculez. Ah. Ah. Oh bouboule, donne le pognon à l'état, on n'a plus rien. Oh putain, il a une bonne bouillie de graisse. Oh punaise, on aurait presque pu avoir la même mon vieux. C'est un collègue, c'est bon, il est gros comme moi. Lui aussi il a pris du poids. Ah. C'est bien mon grand. On va faire le record du plus gros au monde. On sera deux boules de gras et puis on va mettre un grand maigre et comme ça fera une belle bite. Bon par contre les deux gros il faudrait qu'ils soient poilus comme ça au moins on pourra l'appeler bite en poil. Ce sera déjà pas mal. Ça va t'abuses pas là. Non ça va aller. Aïe! Sans aucune négatignou que t'as vu? Oh! Ah, le toit s'est ouvert! Ah, c'est déjà pas ouais, mal! C'est tout bon! Ah là, ça y est, là, il est mon ami! Ouais! Ah. Alors, c'est que j'avais raison! Que? Je savais que c'était du mytho! Quand elle a dit qu'il était truc là machin, je le savais. Quel truc? Bon, laisse tomber. C'est quoi? J'avais même pas envie d'expliquer. Oh, ça, allez. Oh, si, ça peut être marrant. Voilà, hop, ça dégage. Ah, t'es parti? Ah! C'est pas que mais je suis. Vite, je prends ma voiture. Oh, il y a un café qui traîne. Je vais le boire. Regardez, c'est mon café. Non, oh, t'es mal vu du coup. C'est ma limousine. C'est moi le président. Ah, toute ma vie, j'ai rêvé de conduire tout seul. Ah, ça fait du bien. Ah, punaise. C'est beau, t'es mes styles.
C'est pas où t'es, mais je... Moi, je fonce dans toutes les voitures. Ah, punaise, c'est très bien. C'est beau, la ville. Là, 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 là. Oh, un feu. Hop. Attends, je vais attraper ma voiture, quoi. Attention. Toute ma vie, j'ai entendu ça, que les chambres effacent les trucs à ma place, alors que finalement, c'est simple. Alors, le frein, c'est lequel? Ah, c'est celui-là, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé le frein. Le président qui a pas son frein, oui, mais qui conduit quand même. Ah, bon, c'est le président le plus claqué au monde. Votez pour moi. Hop, hello. Attends, t'inquiète, je vais t'offrir 2-3 cadeaux, moi. Attends juste que j'arrive, là. Attends. Mais ça y est, maintenant, je mets mon gilet jaune. Et merde. Je démissionne, gilet jaune. Hop là. Ah, ok, ça marche. Le mec, il a le truc... Bon, ouais, t'es pas loin. Il est où, mon bouquin? Ah, c'est bon. J'ai mon... Vous voyez sortir de la voiture? Oh, ça va aller. Vous voyez sortir de la voiture? Vous voyez sortir de la voiture? Mais attends, je suis coincé. Vite, saute! Saute, Michel! Vous voyez rentrer dans la voiture? Et merde, j'avais plus de vie, j'avais pas fait gaffe. J'avais plus de vie. Bon, la limousine, elle est un peu enflammée, on va dire. Elle est un peu chaude, la limousine. Aïe! J'ai pas mon... J'ai pas monté, j'aime bien conduire maintenant. Je veux conduire. J'ai appris à conduire. Toi, donne ta bagnole. C'est ma caisse. Tu conduis pas, c'est ma caisse. Tu laisses les gens tranquilles, je suis un gilet jaune, mais non. Attends, mais elle est bonne. Mais elle est bonne. Aïe. Non, Nathalie. Nathalie, elle est morte. Elle est morte écrasée. Elle était belle. Moi, je la connaissais pas, mais elle était belle quand même. Aïe. Mais attends, mais je peux pas monter. C'est la porte de... Qu'est-ce qui a fait tomber? Non, mais MDR. Non, Nathalie, non, il y a Nathalie. Non, il y a Nathalie qui est en dessous. Nathalie, j'ai pas le temps de mettre la main dans la culotte. Attends. Mais attends, il y a la thune, prends la thune au moins. Eh bah voilà, oui, bah oui, voilà. Je voulais juste voler la thune qu'il y avait dans la culotte. Attends, punaise. Eh bah voilà, c'est utile. Ah, je crois qu'on a un petit problème. Si tu es Macron, ok, je tue Macron, ok, je tue Macron, ok. J'ai juste fait descendre vite de mon véhicule parce que... On tue Macron, Aïe. On tue Macron. On va tuer les gilets jaunes. Bien là que t'as pas, moi, gilets jaunes vous présente, là. Je t'attends, moi. Attends, du coup, je sais même pas où c'est que je suis. Tu es... Oh, c'est pas grave. Voilà. Hop, toi, donne la caisse, voilà. Merci. J'arrive, tu meurs, quoi. Hashtag vive les gilets jaunes, hein. Non, hashtag contre les gilets jaunes. Hashtag bien là que je te fume. Mais hashtag au monde. D'ailleurs, je sais même plus comment c'est venu le délire de Macron. De quoi? Non, parce que je sais qu'Aurélie, je sais plus trop pourquoi, je crois. Ah oui, non. Ah non, parce que ça fait exprès, tu sais, il y avait un mec, tu sais, je me promenais dans GTA. Et sauf que je faisais pas gaffe, il y avait un type avec un gilet jaune, j'allais rentrer dedans et j'avais pas fait gaffe. Aïe. Rentre dans le garage tout de suite. Tu rentres tout de suite. C'est votre maison privée ou vous rentrez dans la maison tout de suite? J'habite pas ici. Merde, il n'y a pas la main. C'est que je dois juste te suivre et faire ça. J'appuie sur le touche et je te suis. Aussi simple que ça. Ah, je suis arrivé chez moi, c'est parfait. Mais voilà. Maintenant, ça dégage, tout le monde dort. Je veux plus personne ici. Je suis au chômage et je suis bien. Tu sais que ça va partir en troisième guerre mondiale, là. Entre Hitler et Staline. Est-ce que tu sais? Quoi? Hop là, Macron, il est à l'heure.
Bonjour Michel. Comment ça va? Alors, on va faire un truc aussi simple. Donc, tu vas descendre de mon véhicule tout de suite. Voilà. T'inquiète pas, attends. Ça va arriver. T'inquiète pas. Le live. Emma live là. Non, elle est pas là, punaise. Il est chiant, lui. Il commence à me casser les couilles. Moi, je dis bonne croissance mort. Hein. T'as le gars des gars avec son panneau, j'étais avec bonne croissance mort. Hein. Aïe. Ah, il a de la chance, petit pas modo. Il t'aurait pris un bon petit 300 secondes dans ses dents, là. On va s'en saouler, c'est pas lui. De ouf. Ouais, bon, au pire, fais ce que tu veux, je m'en fous maintenant. Du coup, je suis en train de. Je voulais faire un truc, mais du coup, c'est que je m'en souviens même plus. Oh, t'es sérieux? Attends, il s'est où là? De quoi? Ok, il est comme ça. Bah, je sais pas, il quitte ton live pour aller sous la vie d'autres. Non, mais il est très cool, lui, franchement. Déjà, il vient, il commence à saouler tout le monde à spammer, mais en plus, il lâche ton live comme ça. Non, ça mais c'est super le gars. Ça, c'est les gamins. Franchement, déjà, le gars, il arrive, il commence à spammer, mais il a envie de les mettre du tard, quoi. C'est de la chance. Okay. Le gars, il se fait déjà spammer, en plus, après, il lâche ton live comme ça. C'est les gamins d'aujourd'hui. Je comprends pas. On est où ça? Ah là, il vient à A, je déconne. Quoi? Il vient à A, je déconne. Il virage? Oh, il blaguait quoi, mais bon. C'est... Ça se sent le chameau grillé ici. Le chameau? Ouais, est-ce que j'ai envie de bouffer un chameau? Aïe. Moi, j'ai envie de bouffer un tissu. Tiens, je t'envoie mon escorte. Bah vas-y, envoie. T'inquiète pas, moi aussi j'ai une escorte. On se dit, jeune, tu veux la tester ou pas? De quoi? Attends, je te l'envoie. Attends, je t'envoie. Bouge pas. Hein. Alors, Meriwether. Attends, t'as dit quoi là? Je vais laisser les mettre tranquilles, c'est ça? Non, il bouge pas, Tutur. Non, Tutur, s'il te plaît, bouge pas. S'il te plaît, monte ma voiture pour te la payer. S'il te plaît, Tutur, vraiment. Non, c'est toi qui allais chercher en plus. Je te crois pas. Je suis bien dans ma voiture. Tu reviens là. Arrête, on dirait un film de cul. Tu t'es tué aussi toi, non? Tu t'es balancé un C4, en fait t'as tiré sur mon C4. Ah ok. mais y'a combien de chances juste pour que tu tires sur mon C4? Juste. Et en plus du coup je vais devoir repérer ma voiture, c'est toi qui explosé. Parce que c'est toi qui m'as tué en logique. Oh putain. Arrête. J'aime pas les âmes cancer et tu le sais très bien. J'aime pas les âmes cancer, Tutu. C'est pour ça que je les joue pour te faire chier. J'aime pas les âmes cancer, Tutu. La preuve, les bonnes vieilles armes du jeu, elles sont bien utiles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Putain. Nul. T'inquiète. Nul. Tutu, que tu me déçois. Attends, vrai. Attends, je suis en train de chercher. Attends. Laisse-moi 30 secondes, je vais chercher un président qui serait marrant à faire. Alors là, normalement, j'ai des idées de président en tête, mais là. Ah si, Hollande, c'est bon. Hollande, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Bah, j'y pensais, mais je savais pas que c'était un président à Hollande. Ah si, c'est un président. Elle m'a sauvé la vie, cette voiture. Putain, ça y est. Mais. T'es tué par des mercenaires. Mais de quoi il était tué par mes mercenaires? Ils sont même pas là, mes mercenaires que je vais envoyer. Ah non, en fait, je t'ai pas envoyé de mercenaires. Oublie.
Je t'ai renvoyé du tout. Aussi. Ouais, des petits comme toi, tu veux dire ou. Juste comment là. Les petits violeurs, on appelle ça dans le milieu. Oh putain. Tu mets que des têtes, c'est trop marrant. Attends, il y a quelqu'un qui a rejoint, non? Attends. Je sais pas. Mais si tu veux, des fois, tu touches, je pourrais t'enseigner moi, ma connaissance. Je commence à vous remettre des têtes, jusqu'à facilement. Et y a personne qui a rejoint. Ah, ok. Parce que je sais pas, j'ai entendu une voix. Tiens. Merci les policiers. Mais arrête de fuir, c'est pas marrant. Ah, punaise. Il est là tout de suite. Attends, je viens de gagner 2000$ de la part de Roxa parce que j'ai un bon comportement. Alors que j'avais pas de tuer depuis avant. Donc pour avoir un bon comportement, faut tuer tout. Super. Logique. Je suis en train de chercher. Attends, je vais manger un peu de bac batata. Tu veux, je peux te faire un ASMR en live. Oh, ça va aller. Je déteste ça, les ASMR. Moi aussi. Sauf quand c'est moi qui le fais pour énerver les gens. Attends, si tu veux, regarde, c'est. Attends. Alors, bonjour les enfants. C'est. Attends, putain. Y'a trop de trucs. Non. Y'a trop de sons. Ouais. Bonjour les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, spécial ASMR. C'est pour les hamburgers avec une petite frite au-dessus. Miam miam. C'est pour les hamburgers avec la petite sauce à l'intérieur, le petit ketchup. Oh, je vais remettre le son du jeu, ce qu'on dirait que je me trimballe dans un cimetière à poil. Pourquoi à poil? Je ne sais pas. Pourquoi? On ne sait pas, on va emmener tuto chez le psy, je crois. Ah, il y a mon voisin qui veut boire l'apéro. Attends, je vais aller voir. On est d'accord, il est minuit 30. Du coup, aujourd'hui, on est mercredi. Non, on n'est pas mardi. Mais puisqu'on est d'accord sur ça, puisqu'on m'a dit de pas manger ma barbe à papa mardi et qu'on est mercredi, bah je peux la manger. Ah ouais, logique. Bah. Ah ok, d'accord. Alors clairement c'est que je m'en fous littéralement, je sais pas, je voulais rentrer chez moi puis m'envoyer dans un non merde, comment t'expliquer ça? Ouais, t'inquiète, je vois, je t'enlève. Ouais, je pensais au report, c'était un truc pour voir la baraque et puis en fait non. Merde, putain. Du coup, tu t'es cassé sur moi. Ah non, du coup, je suis revenu dans la session. Du coup, tu étais loin de moi. Je sais même pas où c'est que t'es. Attends, je suis en train. Ah, bon, ça va. Je suis au casino depuis avant. Ah, ok. Moi, je suis en train de. Je suis en train de chercher quoi faire. Si tu veux, on peut faire tes missions. Ça marche.
Bon, je suis dans ma demeure, j'arrive. Enfin, dans mon bunker plutôt. Moi, je parie, j'arrive avant toi. Je parie 100 euros, j'y arrive avant toi. Attends, merde, c'est chier. Je suis en train de faire chez Paco. Oh, t'as Yako. Moi je... Non, bon, moi, toi. Moi, je bouge pas de la ville et j'arrive avant toi. Ok. Je suis à 100%. Attends, c'est un jeu, c'est un bunker. Je sais pas encore. Putain, j'ai bloqué la. C'est un bunker. C'est un complexe et un truc rond. Et si t'as un bunker, c'est un truc comme un hangar. Ah, je sais, c'est t'inquiète pas. Je suis en train de chercher où aller en fait. Ah merde, putain, je suis en train de casser la gueule. Ça, c'est l'église de mythique, on va pas avec moi. Ah putain, j'ai hâte de voir le message, tu sais, ce que j'ai hâte de voir un peu les messages en vite fait. J'avais pas vu, tu sais, lui, c'est le premier à draguer tout le bordel, puis dire, hey, tutu, hey, tutu, déjà, il me respecte même pas, donc petit con. Il y a des petits qui regardent YouTube, les mots grossiers. Ouais, bah, pinaise. Mais écoute, je voulais répondre, mais je voulais être gentil, du coup, j'ai pas répondu. Parce que je sais très bien que si je lui réponds, je vais très vite partir en vie, donc. Je préférais pas le répondre, je vais me laisser. Il spam des filles de... Après il vient parler comme ça. Il fait du harcèlement, après il vient... Eh mais tu sais, il y a des gens... Il fait des filles, puis c'est pas tic des gros mots. Il a dit comme gros mot, bite en poil. C'est un gros mot. Eh mais tu tues, faut pas dire mon grossier. C'est quoi personne décide, mais c'est pas grossier. Bah oui. Je sais qui tu. D'ailleurs, attends, je... non, enfin. Je oh, il y a aussi. Je vais laisser comme actuellement, mais je vais pas le faire. Ouais, non. Ouais, du coup, j'allais au complexe. Ce que je regardais un peu vite fait. Oh. Du coup, c'est moi, je m'appelle Germain. Je m'appelle pas du tout Germain. J'ai envie de faire une blague, mais je sais pas claquer. Bah oui. C'est mieux Germain, non? Ouais. On a pas la même chose, mais moi non plus, je sais pas claquer. Nul, Germain, nul, nul, espèce d'épine de maïs, va. Nul, 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 regarde ce que tu fais, Germain, je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, je sais pas casser la télé. Nul, nul. Nul, Germain, nul. Moi, j'avais pensé aussi au cousin. Ah, mon nom, je sais pas. Mais j'avais pensé ça au dernier moment. Oh, attends, y'a un tracteur, attends, je vais le voler. Hop. Attends, non, attends, attends, attends. Il y a non. Non, laisse. Laisse-le tranquille, je vais être un paysan. Laisse. À moi. Non, il est à moi. Non. Michel, c'est mon tracteur. Attends. C'est mon tracteur. Putain. Ah, je t'ai tué. Mais écoute, des mecs, t'es fragile. J'ai déjà plus de vie en temps normal. Attends, 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 pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. C'est bon, je te laisse. Eh non, finesse. Non, attends, non, attends, 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 je visais pas toi. Je visais pas toi. Je vais me faire une brochette. Attends, laisse-moi la petite brochette. Ah. Voilà, j'aime les brochettes. Non, bah je crois pas. Ah non, 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 elle est pas touchée, elle est là-bas. Ouais, mais t'as failli. J'aime les kamikazes. Ah, surtout quand ils sont gros. Ils sont gros comme ça là.
Hop là. Oh, j'ai fait un petit 360, c'était magnifique. Y'a pas moyen qu'on s'achète un capteur dans le jeu? Ah, je sais pas, attends. J'en ai déjà 3 qui me cassent la gueule. Si on peut s'acheter un capteur, je m'en achète un. Ah, il m'a donné 28 balles. Quel un en 26. Tu veux, je peux acheter un combien pour afficher. Non, je voulais trouver un petit cash, mais j'ai pas trouvé. Du coup, je vais me faire. Alors. Mais c'est nul si on veut pas acheter des scalers. Je pense que si on peut en acheter, mais je sais pas comment on fait. Ah merde, putain, c'est fait chier. Écoute, déjà si on est sur un tracteur, où est-ce qu'on va le mettre si on peut en acheter un? Dans un hangar, je pense. L'hangar. Tu vas dans un hangar, il y a plein de gens qui te foutent des avions militaires et tout d'un coup, tu vois un tracteur. Là, mais logique. Oui. Oh, ta gueule, la grosse, donne la bagnole. Oh, attends, il y a une moto, c'est mieux. Donne la moto! Ah, tu veux faire une course de moto? Non, c'est juste qu'il y avait une moto à piquer. Elle était partie vente en fait. Hein? T'es parti voir? Je sais même pas en fait, c'est tout simplement que je me faisais courser par les flics. Jusque tant que je regardais mon portable, j'ai vu que j'étais mort. Je sais pas, le gouverneur me dit que tu vas être à côté de moi. Pas du tout. Putain. Ah. Oui, mec. Ah, je suis combien. Je me suis pris le guidon dans la couille, ça fait mal. Allez, et mec, je m'imagine la scène du gars. Oui, mec. Aïe. C'est ouf, hein. Attends, du coup, je suis en train de voir le plein de munitions ce que j'ai. Ah ben, y'a personne qui travaille par moi. Attends, je regarde juste, y'a quoi à voler. Oh, y'a un scooter d'italien. Attends, je vais voler le scooter d'italien. Hey, Luigi. Ah, le mien. Hey, Luigi. Ah, attends, c'est bon, je ramène le mien, il est magnifique le mien. Avec des noirs, avec des bandes roses. Magique. Attends, du coup, moi j'ai roulé, tu sais, comme les Italiens, ils roulent doucement eux, ces connards. Quand ils sont en moto. Bah, de toute façon, tu peux pas aller très vite là, avec le scooter. Ouais, mais les scooters italiens, c'est les pires. Attends. Wouhou! Oh! Tu peux faire des e-gags avec, c'est magique les e-gags avec. Ouais! Je reviens pas que j'ai mis un moteur une bouquette du tout. Ah merde, putain, j'ai pas le temps de faire mon Y. Ah attends, bah du coup lui, attends, lui est gentil, hop, dégage. Je t'ai vu prendre la voiture en pleine face. Je voulais l'escalader, attends, du coup je suis en train de réfléchir à un truc. Mais je sais pas si ça a passé. Ah, je pense que si. Oh putain, j'avais le cobaye idéal, fais chier. Bon bah attends, du coup je rappelle mon moto. Hein. Hop là. La petite vortex. Mais l'archi loin. Ah. Oh, attends, c'est quoi la petite couille rouge qui c'est quoi le machin rouge qui avance? Quoi? Je sais pas, y'a un truc qui avance. Ah non, ok, c'était juste un. Ah si, ça. Ah non, c'est une moto. Je me demandais ce que c'était, je croyais au départ c'était le type que j'avais volé à moto.
Putain, je me suis dit, putain, il l'a tracé cet enfoiré. Tu vois le gars en mode une seule botte, c'est ça qui dépasse. Mais tu parles loin toi quand même, hein. Ah merde, putain. Du coup, je regardais juste où c'est que t'étais depuis la minimap et j'étais. Et j'ai perdu. Ah, ok, ça marche. Ah, bah t'es pas loin de moi en fait. Ouais, pas loin. C'est au moins un petit kilomètre quand même. Hein. Un petit, 2 kilomètres. Ouais, hein. Oh, encore, ça passe. Ouais, sachant que la map c'est 12 km environ. C'est quand même à 10ème de la map. Non, je dis n'importe quoi. Oh. Allez hop. D'un coup, je me suis transformé en oiseau avec ma moto. Ah, ok. J'ai lâché ma moto et tout d'un coup, j'ai volé. Ouais, je suis en train de jigger en moto avec les véhicules et tout. Vas-y. Ouais, c'est de... je suis en train de faire le con. Tu regardes quoi, hein. Là, tu vas pas beaucoup avec. Un truc que je suis content sur ma chaîne, c'est quand je fais un live, mais il y a que des personnes que je connais au moins. Du coup, les amis sont là. Ah. C'est ça qui est bien quand t'as que 50 abos. Ah merde, putain. J'ai quand même demandé d'être modo, n'empêche, alors qu'il spamme tout le monde. Ouais. Incroyable ça. Ah ouais, il fait des prix, moi en fait, et moi modo TTD, donc je me mets pas vraiment modo. Hein. Donc je serai invité. Okay. Des fois, je comprends pas GTA. Des fois, j'arrive, je perds 100 000 dollars quand je me connecte. Ok. Et là, ma moto elle était verte avant et maintenant elle est noire. Ah. Okay. Oh. C'est logique. Ouais. Alors, en ligne, ami. Allez, tu peux me trouver. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on invite. Il y a trop de choix. Mais non, tu dois aller dans pavé tactile et tu fais inviter des joueurs, je pense. Non, tu m'invites moi après. Le gros pavé tactile. Ah. Ah non. Mais pourquoi je trouve pas? Non, putain. Ah si, c'est bon. Putain, il y a trop de monde, je te trouve pas. Normalement, je suis tout seul dans ma session. Did you forget about Simeon? Come, surely you need me.
Faut descendre, tu tues. Ouais, j'arrive. Je me souviens quand j'ai acheté le complexe, j'ai galéré pour trouver par où je devais aller. Parce que c'est juste la porte ici. Oh merde, je crois que j'ai... Ah non. Je pensais que j'allais louper la porte. Y'a Jean-Michel avec sa machine. Pourquoi il me dit que si mon frère est amoureux d'une fille... Ouais. Une fille du net, t'inquiète pas. Alors là, soit j'hésite, c'est vraiment son frère, soit c'est lui qui se fait passer pour son frère, qui... Ok, j'ai arrêté ma matrix, moi. Merde, putain, il faut que je sois président. Oui, tu fais pas vite acquis, il est président du club. Putain, je voudrais bien refaire mon club. Non. Oui. Alors, quand les gens vous mettez dire sans eux, vous savez qu'en allemand ça veut dire vous. Du coup, ça veut dire que sa phrase en vrai, ça veut dire oui, bonjour, vous pouvez me dire vous, Simon. Ah, ça a coupé. Non, mais des fois je parle alors que je devrais me taire. Je... Voilà. Ah, je trouve. J'ai trouvé un beau nom. Voilà. De quoi, non, pourquoi ? Ah, ok. Ce sera le nom de la mission, Prout. Voilà. Elle est pas ouf. Ah oui, putain, il faut que je... Tu sais que c'est le nom du CQSF que tu auras toujours. Ah merde ! Ah, je peux pas changer ? Ah, je peux pas changer ? Si, tu peux. Ah merde, putain, moi je pensais au départ c'était juste le nom de l'opération. Mais non. Ça, ah, je merde. Me dis, mais je reviens du coup en arrière et je vois. Mais c'est un truc comme ça, que ça, c'est pas le nom de la mission. Et si, pour changer, tu fais pas vite tactile, tu vas dessus. Tu vas dans gérer le truc et tu vas dans. Mais il faut de l'argent pour. C'est pas grave. Et je crois que la première fois c'est gratuit. Ok. Ah oh, là c'est bon. Ah non c'est putain je perds moi ça. Mais on t'a répondu au moment en fait, on t'a dit oui. Et ouais. Dire sans eux ça veut dire vous. Vous en allemand. Voilà. C'était l'anecdote du jour. Putain je me prends, je me fous 6000. 65 millions 65 000 plutôt. Ouais, t'as vu ? Pour l'émission, tu dois toujours avoir de l'argent. Ok, ouais, ouais. C'est toujours le petit fond de... pour lancer l'émission, quoi. Alors, moi, je te conseille la moins saoulante, c'est celle au milieu. La plus dure, c'est celle tout en dessous. Je sais pas si tu veux faire d'abord la plus dure ou la plus facile. Je sais pas, j'ai en train de regarder ce qu'il y a. Ah
La cou là. Permis de machin, ouais, ok. Puis deux autres, c'est quoi les deux autres qui me manquent? Quoi? Les deux autres, tu sais, les deux autres cases qui sont là, en dessous de la du. Ah non, mais c'est parce qu'il y en a pas 5 de mission, il y en a juste 3 là. Ah, ok. Ça marche. Oh putain, fait chier. Putain, fait chier, faut qu'on rejoigne une session publique. Ah ouais. Ouais, ça c'est souvent. Et en plus, les joueurs ils vont même pas apparaître dans la mission, du coup je vois pas pourquoi faut aller en Ouais. public. Et c'est stupide. Bonjour, vous pouvez me dire que c'est mon frère? Eh, mais tout. Je crois qu'il a pas compris en Il fait, on commence lui à se fouler, lui, hein. a. Attends, mais c'est un coup de ouf. Ah, d'ailleurs, je sais Et pas faut si. déboucher les oreilles, hein. Attends, on va déjà Web, quand. ça. Attends, ça se trouve, là, quel âge ce petit. Le petit. Le petit. Je sais pas, c'est le sourd, mais oh, c'est oh. Pourquoi je vais écrire grand message là parce que. Oh, punaise. Voilà. Moi je. J'en ai 13. Lui, il en a 11. Ah, bah, ça va. Et mon frère a 11. Son frère a 11 ans et Emma a 17 ans, non? Putain, attends, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Guy, il avait un plomb dans sa tête, ou ça se passe comment? De Oh, 11 à super. 17, il y a quand même 6 ans d'écart, quoi. C'est un peu chaud. Fallait pas le dire, route. Ben non, mais Ah, Marmotte, quand marmotte. tu le dis 3 fois, il faut savoir au bout d'un moment, si on voit pas et qu'on n'entend pas. Ouais. Ah, tu sais le pire, quand Emma, quand elle s'est cassée, il m'a fait. Oh, je suis amoureux d'elle, oh, j'ai pensé à elle toute la nuit, le lendemain, ouais. Calme-toi, mon frère, calme-toi, putain. En plus, en arrivant sur le il a dit ouais, baby, tout, je t'aime, et c'est mon pseudo, ça fait qu'un O, parce que j'en ai marre qu'on me respecte pas. Non, mais écoute, c'est pas du tout de voir mon pseudo, c'est juste deux O. Donc, je vais pas te le dire à cause de ça, voilà. Ça, c'est C'est fait. qui la fille, gros, s'il te plaît? Ah, la fille, Ah, m'en fous, je dis pas, hein. Alors là, tu vas chercher dans les autres non, c'est lives. pas. Il a cherché Totalement. sur. Il a regardé dans celui d'avant-hier ou soit sinon il a cherché sur un épisode des SAO. Juste pour ça, juste pour le haut en moi, je le dis pas. Alors, et 10 c'est avec un T parce que 10 juste santé c'est une marque de vêtements. Je dois faire professeur de français. C'est bon, tu le dis là que c'est allemand en bout et avec le dit c'est une marque de vêtements. Fais Et prof de regarde, j'ai pas. français. Fais prof de français en vrai. C'est qui la fille Groot? Et Groot, c'est avec des O! Bien sûr! Et au-dessus, au milieu de mettre sûr, t'as écrit su! C'est avec un R au bout! T'as vu aussi! Oh, punaise. Oh, les parents, ils doivent s'inquiéter. Et je pense qu'avec. En plus, tu peux! Le peut, c'est avec un T, puisque c'est tu, mais ça, j'en suis pas du tout sûr! Alors là. Oh, punaise. Et du coup, il y a encore marmotte ou pas? Aucune idée, je pense, hein, puisqu'on est 4 sur le live. Ouais. Bah, déjà, il n'y a pas moi. Mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Du coup, il y a une personne inconnue qui parle pas. C'est la fille que mon frère Paul, c'est une amie, ou il est à mon goût, je vais le détruire. C'est qui la fille que mon frère
Bah en fait si tu préfères Emal c'est sympathiser avec moi et Marmotte au départ et puis un autre type avec deux autres types plutôt on s'est sympathisé en amitié et puis donc après Emal a disparu du radar elle a fait le Titanic putain, enfin la meuf oh putain et puis sauf que ton frère après il s'est créé un film. Juste, maintenant que t'as fini, je vais juste Oh, rien. préciser un truc. Le il est, c'est avec un T au bout. C'est pas ES parce que t'as pas dit tu. Ok? Donc alors vas-y, je Punaise. t'en fais tout de suite. Ah non. En vrai, Marmotte, tu pourras être coquant. Tu veux qu'ils soient où, quoi? Il te l'a calmé d'une violence. Jouer, ça fait blam dans le mur. Directed. Oh, punaise. Eh, en vrai de vrai, tu sais que je peux faire. Mantis avec un T au bout, non? Mantinus. Non, c'est bon, je vais faire. Non, en fait, il a bon, je crois, donc non. Ah, mais à honte, il y a un H. Quoi? Ah, honte, il a H. Il a oublié le H. Ah oui, mais j'ai pas lu la suite, donc oui Ah, aussi. ok. Voilà. Attends, il nous a menti. Ilo, honte. Ilo, honte. Il a eu honte. Donc attends, il a dit il a eu, du coup a eu, il y a un Ah, ok. eu. Du coup entre eu, il y a un e. Et après honte, il y a un h. Parce que il nous a menti, il a eu honte. Voilà. Attends, au pire, le grand frère ou le petit frère, je sais même plus, j'ai pas trop suivi. Il t'a dit quoi, en gros, car t'inquiète pas, on va t'aider à le détruire. Attends, parce qu'en parlant de détruire, il y a un gars qui vient de me tuer dans ma session, c'est moi qui vais le détruire, donc attends. Ah, il me replace bien, allez, hop, allez, hop, c'est bon, je vais le démonter. Alors là. Attends, honte de quoi être amoureux? Putain, bah ouais, bah d'une part, Marmotte, il a pas tort, tu vois. Mais Bah d'une oui, il y part. a un H au bout. Non! Non, 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 Voilà. tu vois, Ah bah, il y a un H au bout. les deux, Marmotte et puis son frère, il a pas. Il a. Ils sont pas tort les deux, tu vois, quoi. Parce que, tu vois, d'une part. Alors, son frère, en gros, je pense que son frère, il veut qu'il soit puceau jusqu'à la fin de ses jours. Mais ça, on va pas le dire. Et puis, en fait, Romain, tu vois, enfin, son grand frère, en fait, simplement qu'il est un peu. Qui veut, entre parenthèses, le protéger, car il sait pas quoi, dans quoi il s'en mêle. Mais les deux, par contre, on pourrait faire un concours d'orthographe, on sera sûr de le remporter avec ces deux guignols. J'avoue. Les deux. L'autre qui a 13 ans, l'autre qui a 11 ans, je parlais sur celui qui a 11 ans qui fait moins de fautes, hein. Pardon. Je dis ça, c'est derrière moi. Ah, quoique, peut-être le grand, parce que rien que déjà Emma, déjà, des fois il écrit qu'un J. Oui, après ça aussi, mais quand même, on sait jamais. Eh, mais lui, j'ai suivi, par contre, il commence à me saouler avec sa vieille caisse là. Eh, mais qu'il fait pas son feu avec mon session, lui, parce que je vais le détruire. Il m'a dit j'aurais. Putain, attends. Hop là, les deux, ça dégage. C'est ce que du coup, Marmotte, il a envoyé un roman et j'ai pas eu le temps de tout lire. Il m'a dit que Il a j'aurais avoir. jamais une copine non irréelle. Bah, tu sais, ça se trouve, ton frère. Ça se trouve, là, sa copine. Ça se trouve, elle a peut-être un mec et puis lui, s'en fout. Lui, il veut juste. C'est juste une machine à rouler des galoches, quoi. Il a avoir honte. Alors Marmotte, tu as fait une faute dans il a avoir honte. Non, Je te il laisse a. la trouver. Il a. Ah Mais oui, ok, il ah a oui, ah oui. avoir. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah, ah. Alors là, j'ai l'œil, moi. Attention, Attends, par il n'y a exemple. rien qui m'échappe. Quoi, je vais le tuer. Alors, à la fin de ta phrase, il y a un point parce que c'est la fin de ta phrase. Ouais, bah en fait, ouais. En vrai, Marmotte, ça fait longtemps que je le connais. Et en vrai, c'est qu'il a raison, en fait. Tu vois, Coli s'est toujours tapé 4-5 meufs, et puis nous, on s'en battait les couilles, quoi. Nous, on était contents pour Il est lui. mort. À mort, il y a un T au bout. Ouais.
Carmore, c'est un peu comme un genre de foot, je crois, ou un genre sportif. Et mort en comme ça. Ou alors c'est l'abréviatif ou je sais pas quoi du morse. Et Ouais. aussi A et il y a ES au milieu. EST. Et pas ET. Parce que E c'est par exemple si tu dis une banane et une pomme. C'est bon, je m'amuse moi à corriger les gens. Mais par contre, tu sais qu'en vrai, que je pense que qui va tuer, je m'imagine bien le lendemain. Quoi? Tu t'es tapé 400 meufs d'un coup? T'as pas honte? Alors qu'en fait, c'est juste un marmotte en fait qui a juste dit qu'il traîne avec 5-6 meufs. Et du coup, ce sera lui, pour ça, il va se prendre une double punition dans la gueule. Allô, Romain, tu ne comprends pas. Adi, il y a un T au bout parce que sinon c'est une marque de vêtements. Tu as fait deux fautes. Et je suppose que tu as dit quoi d'autre? Il a dit quoi d'autre? D'autre, il y a un T, truc en haut là, virgule là, on met en haut, tu vois. Et après, c'est AUTRE. C'est pas OTRE. Voilà. Putain, ma mode, il revient quand je vais repartir, moi, fais chier. Pas grave. Pas grave, ok. Eh, pas grave, ou pas. Eh, c'est pas grave, hein. Au bout de pas, il y a un S. Et c'est un Après demain. G, et pas un K. Non, pas un K, mais pas un C, pardon. On s'en fout. Et à S et O, il y a une gugule, mais en haut, tu vois. Une gugule qui vole, là. Il y a fou, je pense qu'il y a un T, parce que vous êtes plusieurs. Ça va, je suis pas trop solo, moi, sinon. Non, ça va. Moi, je suis toujours dans l'écran de chargement. Ah, ok. Quoi que t'es bugué à l'infini. Mais en vrai, à fou, je croyais qu'il y a un S, parce qu'ils sont plusieurs. Je en suis sûr, donc tu en suis sûr, du coup c'est je suis sûr. Du coup, Léon, tu l'enlèves et à suis, tu mets un S au bout. Du coup, ça fait je suis sûr. Qu'il, donc tu rajoutes un K, un U, virgule en l'air. Entre le. Voilà, tu m'as compris. Ah, dit avec un T parce que c'est normal, honnêtement, je vais le répéter beaucoup, tu vois. Que. Le reste, je peux pas le corriger parce que je comprends pas. Du coup, je mets une grosse barre rouge dessus. Ouais, moi aussi. Quand vouloir tuer son frère, car il sent. Quand. Car il sort avec une meuf. Ah, ok. Quand je comprends pas, je lis pas. Moi, ça a zéro tout de suite. Ouais, après, ouais. Après, d'une part, son frère, il a pas tort. Pour une fille, IRL est mature pour lui. Alors, IRL, par contre, là, je mets un point direct, là. IRL, non. C'est existe, les relations à distance, ok? Du coup, alors là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais tu sais qu'Iriel en Alors vrai, là. qu'il y a. Qu'Iriel dans beaucoup de jeux, ils écrivent comme ça. Deux? Ah ouais. De quoi, qui écrivent comme ça? Oh, Iriel, comme il a écrit, il y a. Non, il y a dans beaucoup de jeux que c'est écrit comme ça. Bah oui. Ouais, je sais pas ce que t'as dit, je vais mettre tout de suite un point sur Iriel. Je pense à. Oui, mais non, parce que non, je suis pas d'accord avec qui dit il faut une fille IRL, pas plus, Ah! genre pas IRL. Non, alors ça, je suis pas d'accord par contre. Peut très bien y avoir des relations à distance par contre. Non, c'est ça que je suis pas d'accord. IRL, bon, totalement Non, 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 ok, non, non, je me suis dit, putain, il a encore fait une faute alors qu'en fait, qu'il n'y a pas de faute, quoi. là. Non, IRL, non. Après, irréel, entre guillemets, pour lui, tu vois, parce qu'il n'a pas vraiment vu en vrai. C'est comme sur Tinder, tu vois, quoi. La meuf, c'est que tu as vu une photo d'elle, hop, tac, tu as apparemment vu. Puis ça se trouve, en vrai, elle est poilue comme un Chewbacca, quoi. Non, mais c'est Mais vrai. alors, tu t'en fous de l'apparence? Ouais, mais après tout, tu t'en fous de l'apparence. Ah, non, Après non. tout. Et Ah, puisque voilà. justement, ça a distance, tu t'en fous encore plus. Non, mais peu de logique, les gars. Non, non, non. Non, en fait, tu sais, par exemple, je sais pas, il y a. Je sais pas, il y a une meuf, par exemple, qui est pas mal. Tu la vois le lendemain, tu vois, tu prends un rencard tout, puis tu vois, la meuf, c'est. C'est Enjoy Phoenix, mais qui s'est pas maquillée depuis 3 mois, qui est ressorti pire qu'un camion de poubelle. Tu as un peu le désir, tu vois. Puis en fait, en gros, c'est ça que je comprends, quoi.
Pourquoi tu peux pas c'est la référence à Enjoy Phoenix déguisé comme un camion de poubelle, ça a passé. Tu la connais? Non. Bah moi clairement c'est que je la connais vite fait quoi. Un peu comme Marmotte quoi. Oui, alors une fille Mathieu, c'est pas obligé, il y a des filles qui sont pas Mathieu qui sont très drôles, hein. Donc une fille, c'est pas Après obligé d'être mature, Mathieu. peut-être que pour lui mature, il voudrait te dire en vieillissant. Quoi? J'ai pas tout compris là. C'est quoi J'ai pas son tout compris prénom? là. Je sais pas. Cherche dans les lives. Okay. Tu remontes à 2 jours, tu finis à la fin, puis tu as bien trouvé. Son prénom, c'est cherche son prénom point be. Dis-toi, Baptiste, dis-toi, pourquoi tu parles quand comme ça? Oh non, attends, lui. Ok, c'est bon. Oui, allô, coucou. Ouais, c'est un Pourquoi je truc mets comme pas ça. son privé, moi? Un peu privé. Tu l'as viré? Non. Ah, ok. Ouais, je crois que c'est. Ouais, ça commence pareil, ça finit par Ama. Voilà. Ouais, c'est ma meilleure amie. Après, si. Mais attends. Attends, Quoi? attends. Pardon? Je comprends. Attends. Attends. Attends, quoi? Putain. Attends, on est dans Inception ou je sais pas quoi là ou. Puis quoi, Possession du mot. c'est ma meilleure amie. Il a juste dit Emma et c'est bon. Ah, C'est bon, je connais, elle s'appelle oh, Emma. c'est bon. Pas Je sais comme s'il y avait pas. 1 million d'Emma sur la Terre, quoi, non? Ouais. Ouais, je sais pas, tu sais, c'est pas comme si j'avais dit, je sais pas, il y a quoi prénom féminin qui est vachement. Tiens, je sais pas, tiens, c'est Charlotte, tu sais, par exemple, tu dis, ah, bah tiens, je me suis tapé Charlotte. Je dis, ah, Charlotte, ah, c'est mon ancien plan cul. Ah, je la connais très bien. Non, mais tu vois quoi. Mais en plus, il a dit Emma quelque chose, du coup, c'est même pas Emma, juste c'est Emma quelque chose. Ah, ouais, voilà. Peut y avoir tout après, mais il la connaît. Une logique. Hein. C'est con. Imagine, c'est vrai par contre. Putain. Mais par contre, en vrai, s'il serait vrai, logiquement, c'est qu'il aurait déjà vu Emma dans la vraie vie, Logiquement. chez avec son frère, carré. Par contre, si c'est sa meilleure amie alors qu'elle a 17 ans et lui 13 ans, c'est un peu chelou quand même. Après, ça passe, mais. Ah, tu sais, Chelou. après, ça veut rien dire. Hein. Non. Ouais, il dit quoi l'autre? Ah, il voulait juste voir si on faisait des missions. Ouais, non, ça va, j'ai eu ma dose, moi. Et il va trouver la bonne. Déjà avant, les aussi. Enfin, après, si je pouvais mettre deux tags de ma part, ce serait assez gentil parce que harceler les gens, c'est un peu chelou. Non, mais après, tu vois, laisse-le faire sa vie. Mais si tu pouvais mettre deux tags de ma part, ce serait gentil de ta part. Juste comme ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, quoi. On se embrassait sans faire exprès. Moi, je vous. Bon, bah en fait, ils se sont juste fait la bise et puis il a dit: Ah bah, je l'ai embrassé sur la bouche, c'est la joue, connard! Bon, elle a 17 ans, mec. Arrête de fumer, oh. Là, c'est Quitte pas grave, la le pauvre, là. Tu sais que tu live. la connais même pas, tu l'as jamais vue de ta vie. Tu te racontes des bails, tu sais même pas où elle habite, tu sais même pas ce qu'elle Attends, dit, mais tu veux te faire attends, attends, embrasser, attends, imagine. attends, attends, attends. Le grand frère de Romain. Je sais pas quoi. De Romain d'Harry Potter. Non, je sais plus. Son Écoute apparence, ce live. enfin, sa couleur de cheveux, c'est combien c'est? Enfin, comment c'est? Il y a Qu'il y a qui? un Il y a qui cam... le live? Non, attends, il est là. Bah, je sais pas, mais avant on était 4, maintenant on est plus que 3. Il a dit qu'il allait se casser donc. Non, mais il est là encore, il vient de reparler. Ah, oui, effectivement. Ah, c'est. Une rousse, Une pas du rousse. Ah non, tout. pas du tout! Pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là. Putain, du coup, je suis allé. Oh, vous voulez faire des muscles?
Ça va. Non, ça va aller, j'ai ma 12 mois de mission. Pareil. Bah, de quoi me dire? Ah, je sais pas, je cherche. Ah, comment alors? Alors, déjà, comment il y a un T au bout? Ah, il y a un accent au-dessus. Ah, alors, il y a. C'est collé, non? Il y a un S au bout. Ah ouais, c'est un S. Après, ça dépend de qui ils ont fait le contexte. Non, je crois que l'or, il y a toujours eu un S. Bah oui, je crois. Hein. Je crois que c'est un mot invariable, hein, non? Pas sûr, en fait. Oh Pierre, t'as un tel, le grand frère de Romain? Oh, il a... Et un point écrit que je comprends pas bien. Ouais. Allez, dégage toi. Hey, il m'a saoulé, j'avais envie de l'insulter par contre en vocal. Voilà, okay. Ah ouais, lol, MDR. Hein. Je n'aime pas. Tiens, du coup, il a quitté par après avoir fait... Ouais, mais on en parle qu'il a pas dit bonjour, ou alors j'ai pas entendu, mais... Si, je crois qu'il a dit, mais je suis pas sûr. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu moi, perso. Je sais pas. Ah, moi, je sais pas, moi, je l'ai vite fait entre temps, quoi. Chef, y'a un gars, il a voulu me buter à l'âge, je me suis mis en passif. Même pas une seconde avant. Gros chef pour lui. Alors, lui, je vais le tuer. Genre là. Au pire, prends ton hôtel et côtoie YouTube et puis t'inquiète pas, on va enfoncer la plaie. Ouais, t'inquiète pas. Ah oui, les cas, mon frère a volé mon... Eh, je te jure que j'ai tellement envie de lui mettre un bain juste sur son écriture. Je te jure, elle me tue son écriture. Donne-lui un bécherel, ce sera son cadeau. Oh, mais je sais pas, c'est quand ton anif que je te offre un bécherel ou un dictionnaire. Voilà. Hey, ou un prof. En même temps, tu me fais mal au cœur avec ton écriture pour la langue française, mais... Un prof serait déjà pas mal. Il a dit, il y a un T au bout, c'est pas compliqué. Il dit, santé, c'est une marque de vêtements. Moi, c'est Q-U-O-U. Ah. Au pire, recote-toi sur ton tel, Romain. Et puis on va approfondir. On t'attend, t'inquiète pas. Non, t'attends, t'inquiète pas. On est là, t'inquiète, avec les snipers là. Dès que tu passes la shoot, t'inquiète pas, on t'attend. Les gars qui abusent un peu trop. Ah, j'ai un problème. Du coup, j'ai pas trop compris son contexte de la phrase. Je pense qu'il a voulu dire ah, attends, j'ai un problème. Ah, ok. Là, ça me paraît plus logique. Ah, attends, j'ai un problème. Que tu avais une forte tendance. Ah, y a pas de faute. Non, mais j'ai pas compris le terme de la phrase et puis utilisé dans ce moment même. Ah, ok. Oh, y a des pognons qui ont volé. Ah non. Putain. Tu sais que je suis dans un machin. Et que je suis en train de le cambrioler tranquillement. Hop, je suis nouveau caissier. Approchez, ouais, approchez. Et en fait, c'est J. Attends, par contre, je me souviens pas du truc du virgule en haut, c'est une apostrophe, non? Non. C'est familial ou quoi? Parce que rien que déjà. Ah, ok. Et en vrai, attends, il y a un truc que je viens de comprendre. Ah, attends, il y a un truc qui m'a fait tilt. Et en fait, je t'explique, je pense à d'autres Romains, mais qui se fait passer par son frère. Mais oui, mais c'est ça que je t'ai dit. Car... Non, attends. Car en fait, bizarrement, son frère, lui, il a dit qu'il avait un problème d'écriture en machin. Oui, t'as vu. Et puis lui, bizarrement, c'est qu'il a le même. Mais c'est pas ça le problème. C'est Carvicu qui m'a fait. Est-ce que j'aurais confiance réellement en toi? Car il m'a dit le secret sur machine. Et là, peut-être qu'il se fait passer par son frère pour voir s'il allait croire que j'allais craquer le secret. Mais oui, t'as vu? C'est ça, il me semble une louche.
Si je l'ai dit au Ouais. début, le gars, soit c'est vraiment lui, il se fait passer pour son frère, soit c'est vraiment son frère. Parce que c'est lourd, genre, que ton frère, il arrive, il trouve le live, genre. Ça aussi, c'est lourd, genre. D'où Ah t'es ouais. son frère, tu connais pas ta chaîne, genre, et tu trouves le live comme ça. Enfin, je veux bien, et... Et genre, comme par hasard, il dit, vous savez pas si mon frère est encore avec quelqu'un? Pourquoi cette question, en fait? Juste. Je sais pas, puis apparemment pareil, apparemment il dit à... Ah merde, attends, comment... Parce que encore que c'est vieux mytho mais qui fait ça bien quoi. S'il fait pas ça comme ça, on dirait un vieux braquage où tu laisses tes empreintes là. Ou alors carrément tu braques un comico, c'est un peu la même chose. Tu es sûr que tu feras des braquages avec Hugo, il est à ton niveau. Donc c'est absolument Ouais, pas ce ça que tu dis. marche. Ça C'est marche, bon. Jeanne. Mais Hugo, je sais pas quand il rentre aussi. Je sais qu'il est parti dans le sud. Tu l'as dit, mais je vais te tuer, toi. C'est un T au bout de 10, il commence à me saouler. Ah! Tu as dit, Sophie, je te ferai plus jamais. Sauf que dis-toi un truc, sauf que le secret, c'est que je l'ai pas réellement claqué. Et ouais. Bah ouais, en plus, c'est vrai. J'avoue. Tu l'as dit quand, Sophie? Je sais plus, mais en fait, c'est simplement que je lui ai donné des fausses pistes depuis tout à l'heure pour qu'il retourne en rond. Et là, c'est qu'il a cru comme un pigeon. Et ouais. J'avoue. Et ouais, les mecs. Bon Mais après, croyage. il y a un truc qui se trouve chelou, si lui, ça peut être normal, hein. Mais pourquoi il est genre une couronne, non? Juste, on lui a dit l'image, genre il a connu. Et genre, c'est son ancien ami. Enfin, son meilleur ami. Après, ça se peut qu'ils se sont connus, mais il y a des années, quoi. Mais bon. Bah oui, du coup, oui, c'est ça, je veux dire. Mais comment, genre, juste en disant Emma, alors que c'est son frère et il vient jamais sur tes lives, du coup? Oh putain. Inspecteur Gadget. Et après, tu vois, un secret, c'est aussi bien qu'il soit dit, surtout que tu veux sortir avec une fille de 17 ans et t'as 11 ans. Du coup, moi, je trouve que le secret, il aurait été bien si vous avez été dit. Après, je sais pas si on parle du même secret ou si... Juste, j'ai une question, tu veux que tu m'entends quand je fais ça? Ouais, c'est que tout cas le but, Ok. ou avec une capote? Quoi? Non, c'est juste mon L2. Quand je fais ça avec L2, genre pour freiner, ça fait. Ah, ok. C'est juste L2. Non. C'est en fait quand tu fais une roue en moto pour aller doucement mais faire une roue à l'infini, tu fais ça. T'accélères, tu lèves en arrière et tu fais. Et genre tu claques un coup et après tu fais R2. Et genre ça fait une longue roue arrière. Mais sauf que dis-toi juste que je t'ai pas complètement dit le secret, tu vois, je t'ai aussi amené sur des fausses pistes. Et ouais. Par contre, je crois que j'ai perdu un mini-épisode pour parler de Cal Sophie. C'est un secret sur un live, je crois que c'est sur un live de SAO. Et puis en fait, Ah, c'est ok, tout ouais. simplement qu'il m'a confié le secret, parce que sur SAO, maintenant, il n'y a plus personne qui vient, donc bon, donc il a un petit peu en profité. Et je sais pas, c'est quoi ça où? C'est un jeu de manga. Tiens, la manga. Ah, ok. Je serais bienvenue, mais j'aime pas trop les SAO. Enfin, les jeux de manga. Ah, c'est pourtant t'étais venu. Quoi? Ouais. Bon. Ouais, des fois, je viens juste comme ça, mais j'aime pas trop les jeux de manga. Ok. Enfin, Parce que après, j'aime c'est... bien les autres. Oh, putain, il y a un tsunami qui est passé. Une copine, désolé. Non, c'est pas une copine copine, non mais c'est une amie, c'est pas sa copine copine. Mais bon. Après, une copine, c'est une amie, hein. Il est membre du gang dans la zone, il recherche les caisses qui vont être. Ouais, salut marmotte, et puis bah je te dis ouais bah peut-être après-demain si on se voit. Attends, après-demain on est quel jour? On est vendredi? Demain, Ah on est putain. jeudi, hein. Après-demain. Après-demain, ouais, on est vendredi. Je vous donne le mercredi, du coup. Ouais. Putain, je sais même pas si vendredi si je serai là ou pas. Donc, je t'ai attaqué quand même, il a dit. Il a quand même dit, je vais te laisser avec le t'attaque des hauts, calme. Il n'y a pas de taille. Amico?
Non, mais il a quand même dit je vais te laisser avec ta perte de calme. Non, en fait, il s'est dit ça comme ça, il se trompe, mais voilà quoi. Et non, il a dit pardon. Oh là, il a dit. Ouais, voilà, il a dit oh là, mais il voulait dire voilà, c'est ça? Je pense que ouais. Par contre, les gars, pourquoi à chaque fois je dis oula, il y a tout le monde qui répète. C'est pas marrant. Le S, il a été bouffé. J'avoue, le S, ils ont bouffé à chaque fois. Le D, c'est une marque de vêtements, comme ça, il était au corps oublié le T. L'impression, tu m'entends ça, pas, après tout, trompe. Tu m'entends ou... Il se trompe, mais voilà quoi. Ouais. Non, en fait, il a dû dire voilà quoi. Alors. Ah, il a dit bran. Ouais, mais en fait, c'est une blague. Hein. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça comme une petite blague. La blague, tu vois. Une blague, mais qui vient comme ça. Là. Il va se balader en fait. C'est juste notre langage. Ouais. T'inquiète pas, c'est pas l'esprit mal placé. Du coup, j'attends de il va nous ressortir. Mais attention, on dit pas ça sur YouTube, il y a des jeunes qui regardent. Oui, bien sûr. Revanche, c'est toi, jeune. Mais cherche pas. Juste. Il m'a tué à ce moment-là, par contre. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah logique. Par contre, c'est que je voulais m'acheter un truc. C'est que j'avais vu un truc pas trop mal, mais je retrouve plus le machin. De quoi t'avais vu quoi? Ouais, je sais. Ah, si, c'est bon, je viens de retrouver. Mais il y avait un avion sur la flotte. Mais c'est que je le retrouve plus. Attends, mais genre, j'ai des flics et je vais au club de strip. Et genre, devant, tu sais, il y a le garde du corps, genre, qui commence à me tirer dessus. Et genre, une fois qu'il m'abat, j'avais les flics. Du coup, les flics, ils ont tiré sur le garde du corps, il est mort avec moi. Et genre, on dirait le garde du corps, il s'est couché sur moi pour me protéger. Ah, quel héroïsme. Quel héroïsme. C'est plus de 14 balles de pompe. Le pauvre. Vous cassez les bonbons. Écoute, si c'est nous qui cassons les bonbons alors que tu es t'as une fille déjà, alors que t'as 11 ans et que tu fais passer pour un frère, excuse-moi, mais va t'acheter une bille, vraiment. Merci. Et tu sais que ton secret il est pas complètement claqué, hein. J'ai juste dit à deux indices, mais t'inquiète pas. J'ai pas tout claqué, à part au moins si tu veux que je claque tout, t'inquiète pas. Sur Twitter, je crois que j'ai 23 000 followers, t'inquiète pas. Ah quoi, pardon. Je peux claquer ça sur Twitter, je vais me faire plaisir à te détruire, t'inquiète pas. En plus, et des abos, mais vas-y, hein, désabonne-toi, comme ça tu vois plus Emma si tu la veux tellement. Moi ça me dérange pas du tout, hein. Après Emma, tu vois, c'est que j'ai discuté un peu avec elle est sympa quoi. Oh putain, c'était quoi qui est là? Mais sauf que lui, tu vois, il m'a dit un peu parlé, tout le bordel, puis c'est enflammé quoi. Mais c'est con d'en avoir arrivé là quoi. Toujours, hein, c'est parce qu'actuellement il y a des gens chez moi, mais lui, j'ai trop envie de lui faire ça fait genre. Alors là, il commence à me saouler lui. Vous rigolez pour mon écriture, mais non, par contre, arrête de spam des mots parce que c'est déjà de deux, t'as pas de vie. Parce que je vais pas te mettre que c'est un peu saoulant de spammer des mots, et ça fait déjà deux fois que je te le dis, par exemple. Vous rigolez pour mon écriture, et genre, toi, t'as un set des gens, non mais tranquille, en plus, tu viens dire que tu mets un pouce cool et plus de désabos, non mais lol. Et après, tu viens pleurer parce qu'on se moque de ton écriture, non mais vas-y, casse-toi. Hein. Ah, mais avec grand plaisir. Hein. Alors là. Enfin, faut savoir quoi, ou alors tu te casses pas, et voilà quoi, mais. Il y a un moment, je suis pas un mec pour elle. Ben en fait, t'as 11 ans, tu vois. Du coup, non, t'es pas un mec pour elle de base. Tu. Ok. Je sais pas si t'as un petit cerveau que tu comprends ça, mais non. Non. Enfin, je sais pas si t'es un peu mon gueule dans ta tête, gros, mais. Voilà quoi. Après, t'es niveau d'écriture, après, t'inquiète pas. Après, là-dessus, c'est que tu as t'améliorer au fur et à mesure. On souffre pas trop de ta gueule, tu vois. On veut juste t'aider en gros, si tu préfères. On te donne juste une aide.
Du coup, t'es où toi? Attends, quoi? Il s'est passé quoi là? Bah attends, la moto elle est à terre, quand je monte dessus, genre mon perso il monte sur la moto, mais couché, sans calme. Ah, d'ailleurs, ta bagnole, tu as acheté sur quel site tes bagnoles blindées? Bah, elle est gratuite en faisant les missions du casino. Ah, ok. J'ai foutu un coup de portière. Oh, mais. Ah, le gars, il m'a saoulé, vraiment. Hein, par contre, t'as dit, oh, je me désabois et tout. Alors, non, mais là, c'était la goutte qui débordait du vase. Je sais que c'est pas ça l'expression, mais je m'en souviens plus. Donc, Si, c'est ça. Non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, voilà. Ah, mais quand même, il a sorti un pousse-couille et un désabois, quoi. Non, mais lol. Et après, il vient se plaindre qu'on se manque de son écriture alors qu'on est 10. Donc, on essaye, hein. Mais par contre, sa phrase elle est trop marrante avec le super mec pour elle. Surtout qu'il a 11 ans, elle a 17. Du coup, de base. Ouais, tu sais, après, tu sais, Marco, t'es en vrai. Mais que. Tu sais qu'en vrai, que je viens de réaliser que moi aussi, en fait, je suis un petit peu comme lui en vrai. Oui, mais toi, tu vois. Non. Non, mais tu sais que la différence d'âge avec ma copine, elle est énorme, hein. Oui, mais non, mais ça, c'est pas la question. Je vois non. Non, mais tu sais que moi, j'ai 17, elle a 28 ans, ma meuf. Ah non, t'as combien? 17. T'as 17. J'avoue, je t'ai jamais demandé ton âge. Mais non, mais en vrai, ça passe, tu vois. Ça, encore, ça passe, tu vois. Et quand t'as 11 ans, tu sors avec quelqu'un de 17 ans, ça passe pas. Enfin, c'est comme si tu sors avec quelqu'un de 13 ans. Et quelqu'un de 16 ans, ça passe pas. Mais si tu passes de quelqu'un de 21 ans à 24 ans, ça passe. Et de 17 ans à 18 ans à 28 ans, ça passe ou pas? Bah pour moi, oui, ça passe. Ah, ok. Enfin, perso, moi, ça passe. Mais c'est comme, c'est you, mais de 13 à 16 ans, ça passe pas. Enfin, pour moi, 17. De 21 à 24, ça passe. Une question d'âge. Ça passe en vrai, hein. T'es bientôt majeur, donc en fait, tu peux même avoir une... Pas que sur 40 ans, mais ça n'arrange pas. Tant que t'es majeur, au moins. Mais quand t'as 11 ans à 17, mais non, ça passe pas. Mais voilà, quoi. Après, moi, c'est ma philosophie. Mais est-ce que ça, c'est vraiment... Attends, sable champagne. Il a écrit lit avec un T. C'est bon, je suis content. Là, tu vois, j'ai un seau où il y avait de la barbacoa devant dedans, mais je me le mets sous la tête. Voilà. Je suis un FTP. Bah mon téléphone il a plus de batterie, puis clairement je sais pas que ça qui a foutu de ban des gens, quoi. FTP, la seule personne, si vous voulez me ban. La seule personne que j'ai ban, c'était le quoi, mais c'était pour faire une blague et c'est une blague qui a très mal tourné. C'est la seule personne qui s'est fait ban. Je te promets. Je te promets, je voulais faire une blague, sauf que ça a mal tourné. Au fait, il finit là, comment je comprends pas. C'est un philosophe, je crois. Il dit de pas insulter parce qu'on est sur YouTube, il y a des gens qui regardent. Déjà, il écrit J, donc je comprends le mot, je crois. Ouais. C'est ce qu'il a voulu dire, donc c'est une petite insulte, enfin, c'est pas vraiment une insulte, mais voilà. Et après, FTP, tu rajoutes un D à la fin, je pense. Du coup, tu es un philosophe parce que tu te contredis toi-même. Je t'admire beaucoup. Tu arrives à briser tes règles. Non, ah, t'inquiète pas, moi je sais pas que ça qu'à foutre de ban à un type, quoi. Bon, clairement, tu vois, c'est que je sais pas que ça qu'à foutre de ban à un type, tu vois, quoi. Car d'une part, c'est que ça ferait chier. Puis d'une part, tu vois que ça casse un petit peu l'ambition du mec, tu sais, je suis pas le type comme la salle qui banne un type à tort à la rigose car il a pensé la même idée que lui, quoi. J'ai clairement pas que ça qu'à foutre. C'est ça, c'est dégueulasse ce qu'il a fait la salle, par contre.
Ah, et tu as quoi? Tiens, du coup, j'ai fait. Du coup, je me fais un opéra de bagnole. Ah merde, putain, ils sont tous ça. Putain, fait chier. Ouais, tiens, le club des guignols là. A chaque fois, je me fais des sons. Ouais, tu sais, là, y'a un club de machin. Ouais, de moto. Ouais. Pour tout ce que je vous ai fait. Est-ce que ce soit plutôt Emma, hein? Enfin. Bon, déjà. Par contre, j'avoue qu'avec toi, je t'ai jamais demandé ton âge alors que je demande l'âge de tout le monde. Enfin, tout ouais. Le monde est au chômage. C'est noté. Franchement, je pensais pas que t'avais 17, moi, mais du tout. Ah, tu me vois, pourquoi tu me donnais quel âge? Juste avec ta voix, je connais des gens qui ont une voix comme ça, mais beaucoup de gens qui ont une voix comme ça à 30 ans. Subir. Subir, ok. Subir. Bah, tu sais, pareil, il y avait un type sur. Hop, toi, tu passes sur la bagnole. Pareil, il y avait un type qui m'avait donné 45 ans avec ma voix. Non, quand même pas 45 ans, non. Bah en vrai je connais beaucoup de gens, ils ont une voix comme ça, mais même une voix légèrement plus aiguë, ils vont se prendre 35 ans. Hein. Ah. Ah merde putain. Moi et Emma, on reste amis, ça n'ira pas plus loin. Mais tu sais, ça n'aurait jamais changé de toute façon, je crois. Hein, ouais. C'est pas pour être méchant, mais franchement. Je... Vas-y, oh non, j'ai loupé le flic. Bonjour. Je vais atterrir sur le flic, j'ai loupé. Parce que c'est pas méchant Romain, mais je pense que Emma elle aurait pas voulu sortir avec un gars de 11 ans aussi. Et puis peut-être que ça se trouve Emma elle est déjà un mec. Elle était déjà prise. Aussi. Écoute, c'est la relation entre amis, ça aurait jamais changé. Je suis le bail ou non donc, À part au moins si t'es comme moi, c'est que tu trouves une fille belle, bon, c'était une amie, elle était en couple, j'ai rien à foutre, je suis quand même roulé une galoche. T'es un bâtard toi en fait. Oh j'ai rien à foutre, je fonce dans le tas. Ah merde putain je suis sur le dos. Et le pire c'est. Mais le pire, il y avait son mec quand j'avais fait ça. Donc. Ah t'es pour ça. Oh regarde, mais en fait tu dois taper ta chaîne en mode je m'en fous du tout toi. Non. Ah, il va plomber lui. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Je vais vous jouer un peu de. Le temps qu'elle est heureuse. Tu fais du tam tam avec ton micro, quoi. J'ai acheté de la barre à papa et mon sou il est fini. Ou de la barre entre les jambes. Quelques morceaux avec. Ah putain, fais chier, je suis coincé. Ah non, c'est le bon. Le temps qu'elle soit heureuse. Ok. Oh, c'est mal. Voilà. Romain, pardon, c'est quand ton anniversaire? Gromain. Non mais j'ai quelqu'un qui va sur mon son mec quand j'en fais il s'appelle Gromain, du coup Romain. Ah j'avais compris à Rouban. Je sais pas moi, j'aurais dit au mois de juin. Je pense qu'il demande le jour ou le jour. Oh là je m'en fiche un peu mais juste le jour et le mois quoi. L'année aussi je m'en fiche. Bah arrive pas. Après s'il a 11 ans après le calcul est simple quoi. Ouais le calcul est simple genre s'il a 11 ans déjà c'est en 2007 qu'il est né je crois. Du genre non 2008. Ouais après il y a des gens ils ont 11 ans mais ils sont nés en 2007 et ils sont nés genre en septembre. Ouais. Bon ça aussi faut voir avec ça. Ah moi bon, mettre 2008 pour l'instant. Putain, elle va bouffer, on va appeler le garage plus tard. Ah, 2008, gagné, j'ai gagné déjà le jackpot.
Et le gars aussi plein d'enfants, il a marqué. Attends, elle... mais c'est un tueur le gars par contre. Elle pourra faire une équipe de foot. Équipe de foot, ou... équipe de France. Toute l'équipe de France, les 28 joueurs. Ou alors juste un club normal. Ouais, aussi, petit club. Hein. Ouais, non, bon, mais pas. Marceau, je sais pas toi, mais moi, c'est un scout que j'ai jamais envie d'avoir vu, c'est des enfants. Ah, moi, ça m'aura pas dérangé en vrai. Après, ça dépend. Moi, non, ça bouge partout, ça clique partout. Ouais, non, ça bouge. Tu sais que juste pour un enfant, pour l'élever toute sa vie, ça te coûte en moins 1 à 21 millions. Hein? Tu sais que juste pour élever un enfant toute sa vie, ça peut te coûter jusqu'à 1 million. Oh putain. Ouais, je le vendrai aux enchères. Tu vois, ça, hein. Voilà. Je le vendrai aux enchères, comme ça je me ferai 1 million. Attends, il y a un gars dans ma session, genre, son nom de d'écureau, c'est Je vous baise. Attends, alors lui, je vais trouver. Alors là. Ok, look at that. Alors, où tu es, mon cher? On va s'amuser un peu. Look at truc, machin. Alors. Et je te trouve, mon gars. Alors après, je t'avais envoyé une invite pour que tu aies sur ma session. Ouais, je sais, mais moi mes invites, elles bug. Du coup, ça marche pas quand je te rejoins. Tu veux, je peux t'inviter, moi? Ouais, ça marche. Okay. Alors. Oh, tu sais, tout à l'heure, j'avais venu une voiture pire que je sais pas quoi. J'ai rentré dans le complexe, elle était comme neuve. Mais elle a changé de couleur. Bah, elle, oui. était grise, mais elle est passée noire. Oh, y'a Michel. Tu attends, ça fait un moment que je suis pas venu. Si elle veut, moi je pourrais rien dire, je suis pas son mec. Un S au bout de pas. Un S. T'en supplie, un S, Romain. Un S. S'il te plaît, un S. Si elle veut, moi je peux rien dire. Tu pas son mec. Mais oui, tu mettais un S et tu faisais une phrase sans faute. Ah, c'est bon, ça a marché, putain. J'arrivais pas à te rejoindre. J'essaie un peu de tam-tam comme ça, comme si. On va le mettre dans ce sens. Ah, voilà. Oh, putain, t'as ses yeux, elle est pleine. Ah, effectivement. Bon, je vais attendre d'être rejoint par le bocal si je peux. Tu me dis quand t'es en session, mais... Ouah, wow, par contre, moi, j'ai un fond d'écran sur ma PS4, il est magique. Il est trop beau. Pas moi, c'est... Pas... C'est pas marrant, ok. Smile est pas content, ah, okay. Et la tête de Satan. Mais je rigole pas, hein. Là... Pourquoi t'avais dit quoi? Je sais pas, j'ai dit juste de mettre un S, on me sent pas quand, comme je fais d'hab, comme d'habitude. Ah. Calmez-vous les enfants. Zarbre Romain, pour faire plaisir à Groot, tu mets des S partout. Oui, tu mets des S. À tous les mots, tu mets des S. Enfin, juste quand il faut. Non, tu mets juste partout, c'est déjà suffisant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais non, parce que si tu mets des partout, après t'aurais une faute et du coup non, je serais pas content. T'es chiant. Du coup non. T'es pire qu'un DS, faut mettre... T'es pire qu'un prof de français. Bah ouais. Et pourtant, mon record de faute de juste dans un cahier avec écoute bien. Ça c'est un exploit que j'ai fait. 12 phrases que je vais écrire dans un cahier. Bon, j'ai eu 74 fautes, 74 fautes, pardon. Parce que t'es français, du coup 74, voilà. J'ai eu moins 74 fautes. Dans un truc où il y avait juste 12 phrases. Et juste pour ça, je suis fier de moi. Chacun a ses trucs d'être fier, mais moi je suis fier de ça, ok. J'ai le beau corps de ma classe, t'imagines. Il critique, je critique pas, je corrige. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est une erreur de... Comment on appelle ça? Je sais pas. Une... prononciation, je pense.
Ne quittez pas, j'ai promis, j'ai aidé les gens à se renouveler dans leur langage. Voilà. Il est prof de français, mais il est payé gratuitement. Putain, fais chier. Mais plus que prof de français, c'est, il a moins 74 fautes et genre c'est un prof de français, ok. Non, mais toi? Bah oui, mais moi. Je parle de moi. Ah, ok. Ah, bah oui. J'ai effissuré mon écran. Tu vois, c'est comme quand t'as dit que Emma avait accepté que toi tu t'appelles bébé. En fait, j'y crois 0% aussi, tu vois. Ah, mais tu vois, tu mets 1-0, 1-0, 1-1 devant, tu mets 1% des guerres et ça fait 100%. Et j'y crois à pas à 100. Je crois pas du tout, quoi. Putain, il est con, il a cassé son tel. Putain. Mais genre, non, mais quand même, je veux bien, mais promets, tu une patate dans son tel. Et que ça le blesse, il faut quand même y aller fort, quoi. Après, c'est après s'il a lâché dans la foulée et que le tel il a mal raterri, ça joue. Ouais, mais après, il a après... tapé, il a mis une patate. C'est pas la même chose que tomber. Ah non, après. Après aussi, ça dépend le type de téléphone. Car un iPhone, clairement, moi j'ai déjà cassé 2-3 d'iPhone. Ça tire pas la route, cette merde. Hein? J'ai eu un 6 qui est gratuit. Hein. J'ai eu gratuit, du coup, j'ai pas dit non. Bon, après, je sais pas. Après, clairement, le 6, je sais pas, mais je sais que le 7, il est vachement fragile. Le 4, par contre, le 4, c'est un tank. Bah, c'est comme les Nikal 4. Hein. Le truc qui se dit, c'est à 100 kg dessus. J'ai l'impression de. Ouais. Oh le 4. Oh je m'en souviens, il y avait un ami en moi qui l'avait. Il était trop bouillant, il avait jeté dans les chiottes. Il avait repris, le mordait était from, il marchait encore. Du coup il a pété son véhicule sur Fire Square et il était beau dans le parking. Ah. Très bien. Je retiens. Après moi c'est la vitre arrière de mon téléphone qui est cassée. Parce que quand j'avais pas de coque, ben je promenais mon chien, il a tiré d'un coup et mon tel il est tombé. Du coup, il y a une gosse sur l'arrière là. Moi, mon tel il l'a intact. Pas de fissure, rien. Moi, il y a juste un gros trou derrière, mais c'est rien, ça se voit pas avec la coque. Oh putain. Du coup, Romain, tu as quand même eu le display qui était des abos ou quoi? Attends, je sais pas, j'allais dire ça, mais je sais pas, mais j'ai plus le batterie en motel. Je sais pas, t'as dit que t'allais mettre un dislike, que t'allais être des abos, du coup, mais apparemment tu l'as pas fait, hein. Attends, j'ai regardé ça sur. Attends, j'arrive. Attends, moi je vais voir sur mes paramètres sur YouTube, j'y vois. Hein? Bah, je vais te dire ça. Aïe, putain, je me suis pris le machin là. Putain. Je vais te dire ça. J'espère juste que ça n'a pas coupé mon live le temps que j'ai regardé mes statistiques, vite fait. Non, je pense pas. Est-ce que je peux pas regarder chez mon téléphone qui a plus de batterie. Non, quoi, il a dit quoi? Non, attends, je sais pas. Oh, ça, c'est déjà. Non, j'ai gagné 2 abos. Ouais, j'en ai pas perdu. Ah, moi j'ai toujours 165. Ah, moi j'ai 164. Attends, je vais regarder dans la communauté.
C'est où les guignols? C'est là. Poisson, je sais que je trouve pas son pseudo. Ah bah attends, je suis con, je sais qu'à le faire dans les plus récents. Puis la PS4, c'est que je peux. Ah non, non, il a dû se désabo. Ce que je trouve pas. Ah, le dernier c'était. Ouais, les derniers c'était les types avec qui je faisais le con sur un live. Puis après, je ne vois pas. Non. Soixante-deux du? 69. Ah, ouais, ça, ouais, 69, je crois. Je vais dire 169, mais j'ai. Chaîne, bah ouais, mais il a dû se désabo. Bon, c'est pas grave, je peux récupérer 2-3. À de perdu, 10 de trouvé, comme on disait à l'époque. Attends, il y a des lives que. Il y a des lives qui ont disparu de ma chaîne. Ah. Attends, je sais pas si c'est juste moi qui les vois pas, mais. Voilà. Quoi? Et où mon live avec 69 vues? Pardon? Attends, c'est une blague? Ça marche à total. Bon, ben, c'était un. J'ai fait ce souci. Je crois qu'il s'est réellement cassé. Ah ouais, mais lui il a pas le temps, il sort à 1h50 du mat. Encore ça, il est pas méchant, mais il est comment? Ouais. Il dit ça, je suis sur temps, mais. Mais il est collant, quoi. C'est plus qu'il est collant que saoulant. Ton Ça boss trouve pas. plus qu'il est souvent plus collant. C'est. Non, non, et tu vois, il arrive déjà sur le live, tu vois, quoi. Il colle déjà à Emma, tu vois. Vas-y, Emma! Mais bon, après Ouais, mais là-dessus. justement, pour ça il spamme, du coup pour moi il est plus souvent parce qu'il spamme justement. Non, ah, mais sinon, il est pas méchant. Mais c'est juste C'est juste dommage, par souvent. contre, qu'il s'emballe trop vite. Ouais, de ouf. Il se croit que c'était du cul, je crois. Ah, il est... Ah, coucou, t'es encore sur live. Hey, comment ça va toi? Et encore désolé à ton pote que je m'excuse. Ouais, ça marche. Moi, Du coup, je m'excuse. C'est pas à moi qu'il faut s'excuser, hein. Je sais pas si crois tu que parles à moi, c'est. du coup, mais. Ouais, Marmotte. Mais t'inquiète pas, Marmotte, je pense que quand il va revenir, il va te salir. Lui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que tu sais, il y avait un mec tout qui a. Tu sais, qui faisait un peu le malin, tu sais. Il disait, oh, c'est dommage, j'aurais bien. On t'entraînait sur ta soeur pour baiser. Puis sauf que moi j'avais pas vu le message, et puis à un moment il fait bah entraîne-toi déjà sur ta mère, sale puceau. Il a calmé, du coup il a dit oh pouce rouge, je me casse, bande de racistes. Alors qu'il a juste regardé quoi, mais bon. Et après le cas, tu vois, quand le mec il arrive, il fait ah, t'es une soeur, oh bah tiens, j'aurais bien la baiser. Non, bah tiens, entraîne-toi sur ta mère, puceau. Putain. Puis ça, après le live, sèche, j'étais voir sa chaîne, c'est le mec, il a juste filmé un type, une bagarre, il a dit « Oh là là, il a mis une patate, vous avez vu ça? » Ouais, bah putain. Oh. En parlant de patates, moi j'ai toujours dans ma vie j'ai vu une seule bagarre. Elle était pile devant chez moi, j'ai adoré ce moment. Je peux te raconter la scène. Elle était épique. C'est la meilleure scène de ma vie, je crois. C'était magnifique. Les gens ils sont pile devant chez moi parce que devant chez moi il y a une petite place et tout. Déjà ils sont 6. Il y a un jeune de 19 ans, je vais dire. Un gars de 36 ans, je vais dire. Genre il y a deux femmes de chaque côté, ils disent non, non, vous battez pas.
Tout d'un coup, tu sais, ils se mettent en position comme des catcheurs, là, main posée et tout. Tout d'un coup, je vois le vieux 36 ans, elle dit « Ouais, t'as essayé de te tromper avec ma meuf ?» Plam, bata, c'est du sang qui coule et tout, magie. J'adore ce moment. Ce jour, le gars, il fout une patate. L'autre, il se met en défense, genre, mais le gars, il saigne du nid. Le vieux de 35 ans ou les gosses? Le vieux de 35 ans, il a mis bam, patate. L'autre, la jeune, il s'est mis en mode protection, là. Il saignait du nez. Après, dès qu'il a, il a attaqué, loupé, l'autre, là, le vieux, là, il a refouté une patate. Et il est tombé à moitié au sol. Et vas-y, il était tout rouge au bas de son visage. Et après, il se remet en position. Patate droite, patate gauche. Le vieux, il était trop chaud, il esquivait les deux. Et après, ce qu'il fait? Mais le vieux, je l'admire de ouf. Non, en fait, le vieux, je le déteste, il a mis une patate. Et après, le vieux, c'est capé. Voilà. Mais en vrai, le vieux, je crois qu'il était bourré. En plus, le gars, c'est un gars... Ça va, elle est bien, ma vie, hein. Là. Putain, plus ça, pour un vieux qui est bourré, le mec, il arrive à te faire une esquive, tout le bordel. Bah oui, c'est toujours le gars, il était trop chaud. Putain. Mais en fait j'avais pas comment téléphone, mais je te jure j'aurais filmé ça, j'aurais mis sur YouTube direct. Alors là, juste devant chez moi en plus. Magique. Looping Girls Gangster. Qu'est-ce que c'est plutôt? Non, bon, écoute, moi pareil, moi il y avait une bagarre, c'était devant mon collège quoi, parce qu'il y avait un mec qui avait touché les nichons d'un pote. Là, tu peux que ouais, je connais. Attends quoi? Attends quoi? Si je loupe pas un épisode, là, je crois, dans la seule phrase que t'as dit, là, quoi? Non, en fait, il y avait une histoire avec une meuf d'un pote. Et il y avait un mec qui touchait une nichon pendant. Tu sais, il essayait de lui rouler les pelles, machin. Mais dans son tout, parce que le mec, il était viré du collège depuis un petit moment. Sauf que. Ouais. Sauf qu'un jour, sauf que mon pote, il arrive avec un point américain, il t'a foutu trois patates, le gars. Déjà la première patate, il avait déjà couché l'arcade, hop, plein de sang, putain, il a foutu 2-3 patates de forain, et au revoir. Ah ouais, il s'est calmé. Mais du coup, la meuf à ton pote, elle disait rien ou... Bah il y avait ses potes qui l'a... En fait, il y avait ses potes à lui qui retenait, qui repoussait les potes à lui plus sa meuf, quoi. En fait, il repoussait les autres pour pas qu'il remette, pour pas qu'il s'interspose, quoi. Car après, tu vois, c'est un peu normal, tu vois, les mecs qui, le mec qui fait un peu le malin, tu sais, il fait le malin, tout le bordel, et en plus ça, t'as les pions, t'avais les pions qui le scortaient jusqu'au puce, donc c'était ça le pire, quoi. Le mec, il foutait le bordel, mais il y avait le pion, il y avait les pions qui l'escortaient, je crois qu'il y avait un flic aussi qui l'escortait, le mec. Ouais. Oh, mais ça a parti. Mais les pions, vous en France, vous les, c'est le prof quoi. Hmm? Vous en France, les pions, c'est le prof. Non, 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 des pions, des vrais pions. C'est quoi les pions? Ah, c'est les surveillants. Ah, mais non, on les appelle pas les pions, on me dit que c'est pour ça, je me dis, mais c'est quoi les pions? Ah. Ah, ok. Ah, non, nous, c'est ça que. Voilà. Je connaissais pas les pions. Du coup, il nous dit quoi les pions, genre l'échec ou hmm? Parce que du coup, il va le gueule et il est en sang. Il y a un flic à côté, il y a des pions qui marchent là à côté. Non, non. Bien, quoi. Non, non, car tu sais, ils attendaient qu'il sortait. Sauf que lui, il avait sorti par une sortie du collège qui était un grillage qui était cassé. Sauf qu'il avait contourné tout le bordel, sauf qu'il s'est fait choper quoi. Bon, après, clairement, les deux. Lui, il était un peu con déjà. Parce que déjà, le mec, c'est qu'il tripote les nichons à vos potes. Et en plus, ça, le mec, c'est qu'il abuse de la surveillance des pions, tout le bordel. Puis cet abruti-là, tu sais, au lieu d'en profiter, tu sais, jusque tant que ça se calme. Non, monsieur fait le kéké dans les rues, non, bah oui. Rien que déjà lui, ses rumeurs déjà elles sont pas déjà très bonnes. Bon, déjà c'était bien fait déjà pour lui. Il se faisait taper par tout le monde.
Même par les petits de CE1 au primaire, ils se faisaient victimiser par eux. Si, je te promets. Pardon. Je te promets, parce que bah, je traînais un petit peu avec lui vite fait, quoi. Parce que c'était le seul type qui était dans ma classe, c'était surtout le seul con qu'il y avait, quoi. Puis sauf que vu qu'il faisait la boxe, sauf qu'il se faisait victimiser par les CE1. Hein. Tu sais, soi-disant qu'à la boxe, il fallait pas frapper fort. Sauf que lui, il a dit, oh, tu verras au collège, je vais te démonter la gueule, tout. Le petit l'avait pris, il avait foutu une de ses balayettes. Il a chopé le type, putain. Oui, il avait foutu les mines balayettes, tac. Tu sais, il voulait. Tu sais, il s'était relevé en mode, oh, tu fais le chômage, machin, il lui avait foutu une patate, il était par terre. Moi, je me souviens, quand j'avais genre 8 ans, je crois, il y avait un gars dans mon école, genre, il faisait le rang. Le gars, il. Sûr. Il fait calme-toi, petit, calme-toi. Je suis arrivé derrière lui, je lui ai mis une grosse balayette. Le gars, il a même pas voulu se couper. Ah, j'ai toujours aimé mettre des balayettes, ce genre, moi. Putain, fait chier, je peux pas jouer en ligne, il fait chier. Ah. Ça marche pas. Et moi, par contre, j'ai assisté à une bagarre dans mon collège, un truc de ouf. Genre, les gens, ils sont là, comme ça. Tout d'un coup, et ça, encore, c'était une histoire avec une meuf. Genre, là, il est en full en kiff depuis 6 ans, ce même. Tout d'un coup, le gars il arrive, donc le gars, donc un gros qui a pêché la meuf de mon pote, alors qu'il l'aime depuis 6 ans quoi, et ben du coup mon pote il a pas aimé ça. Du coup ce qu'il a fait mon pote, ça a été très radical, c'est tout d'un coup parce que lui il pète un câble, du coup nous pour le calmer, tu sais, on l'éloigne. Et puisque, et je crois les nains, tout d'un coup il rentre dans l'endroit où on mange, alors qu'on peut pas. Ouais. Là il est tranquille, on s'en fout, lui de toute façon ça a toujours été un thug. Il va dans le salle des sports, l'autre il arrive là, le gros là, il dit t'as un problème toi. Mon pote de jury arrive, il prend une chaise, bam, il la balance, magnifique. Magnifique. Là, j'ai jamais fait ça. Il va dire le gars, il prend une chaise, bam, dans la tête, pas le temps. Ah, puis pareil. Puis pareil, le petit après, tu sais, il commence à faire le mal avec moi, tu sais, il fait oh, tu veux que je te casse la gueule. J'avais pris le petit haut, on était au troisième étage, j'ai un puits de lumière, tu sais, un puits avec un profond, je le suis dit. Hey, soit tu te calmes, soit je te lâche et je te promets, tu te prends trois étages dans le cul. Et t'inquiète pas, c'est que tu vas sortir avec moi. Tu sais, il a fait, oh, t'es pas sérieux, tu vas pas lâcher. C'est bordel, tu fais, bon, tu sais quoi, je vais te lancer jusqu'au premier, j'allais lancer jusqu'au deuxième, c'est loupé. Il a fait, oh, t'es un fou, t'arrives plus à me tuer. J'ai fait, ah bah, je t'avais prévenu, hein. Ah, moi, j'ai rien à foutre, hein. Moi, j'ai rien à foutre, si tu fais. Quand il y en a un qui fera le fou avec moi, il assume, hein. Puis pareil, avec mon ex-copine aussi. Tout, elle m'a fait, oh, je te trompe, et en fait, j'avais pas vu, il y avait un pote à moi qui filmait, on était dans un centre commercial. Tu sais, j'étais au premier étage, j'avais pris par les jambes, tu sais, j'avais mis par-dessus la barrière, quoi. Si je lâchais, elle se cassait la gueule. Mais il y avait une genre de piscine dans le bordel, quoi. Du coup, je voulais faire un peu le bâtard, puis il m'a fait, oh, tiens, c'est une caméra cachée. J'ai fait, ouais, moi, ça va pas me déranger, tu vas quand même aller prendre une petite douche, tu pues la merde. Ah oui, quand même. Eh oui. Bon, puis finalement, oui. Finalement, je suis resté avec elle pendant 4 ans. Après cette connerie. Voilà tout le monde. Voilà, donc s'il y a une copie, s'il y a une fille qui est ici, je suis un véritable connard, voilà. Ouais. Moi j'aime bien faire le con. Ah ok, je fais bien respect. Hein. Une fois il y a un gars, il m'avait saoulé, mais genre c'était encore dans mon collège. Le gars, je sais pas pourquoi, les gens quand ils se battent, ils aiment bien rentrer dans l'endroit où ils mangent. Ils rentrent dedans. Voilà, pour me calmer, tu sais, je sors. Gay, il a voulu me mettre un coup de tête. J'ai fermé la porte et la porte, il s'est plié sa tête dans la porte. Il a cassé la vitre. Il a cassé la vitre avec sa tête. Beaucoup de tête dans la vitre. Il a voulu faire Sisu contre Maldini. Oh, Gay, il sait pas, j'arrive. Ouais. D'un coup, il fait trop son ouf. Je ferme la porte et boum, dans la vitre. Magnifique. Heureusement, il a rien eu, donc tant mieux, mais. Ouais. Magnifique ce moment. Tu vois, je vais te laisser après parce qu'il est quand même 2h du mat. C'est bien parce que moi, des fois, sur Insta, je me partage des trucs à moi-même. Ah. Non, pardon. C'est juste une case qui est partie. Juste une case quoi. Non, un gaz. Ah ok. Non mais j'ai compris une case. Ah non. Ah si.
C'est bien parce que j'ai déjà regardé Twitter et il me sert absolument rien. Que j'ai... Non, j'ai déjà regardé Twitter et il me sert absolument rien. Ah. Alors, dans ça, quand je me vois en train de... J'ai le droit à un truc sur Twitter, c'est genre, tu marques un truc n'importe où, et genre, tu marques dans 5 ans, je... Attends. Quoi de truc ? Dans 5... Dans 5 ans, j'ai rencontré un abruti qui se surnommait Tutur, voilà. Dans 5 ans, je me vois en train de... Du coup, je vais marquer... Dans... 5... Bon. Je me... vois... en... train... Moi, je prends le train... de... Ah... Bah, moi, c'est totalement nul parce que ça fait dans 5 ans, je me vois en train de... là. Bon. Ou alors le deuxième mot c'est ouf. Du coup ça fait dans 5 ans je me vois en train de ouf. Ou alors ça fait dans 5 ans je me vois en train de ma. La ouf ma. Après tu termines la phrase de la ouf ma. Ah. La ouf ma quoi? On explique. Ah, il y a Romain qui est revenu. Oh non. Oh oui, ouais, il est revenu, yes. Bon, bah écoute, moi j'espère juste que ça va marcher car. Oh putain, non. Déjà, je sais que je fais des conneries en arrivant. Donc, ça va pas le faire. J'avais oublié que ma voix était défilée, moi, ce coup de couille. Non, mais j'ai rien dit, moi. Ah, je suis sage comme une image. C'est vrai. C'est un gamin. Non. Ouais, bah, moi, clairement, ouais, je suis ancien, gamin, et je m'en fous, quoi. Moi, j'ai. Moi, le seul. C'est un gamin. Moi, c'est truc... 14 ans, t'en as honte, t'es plus un gamin que moi. Oh, bon, contre, le seul truc que j'aime bien, tu sais, des fois il y en a qui disent ah, oh, tu devrais grandir, tout le bordel. Non, moi je m'en fous, moi je reste un gamin, je vais m'amuser. Mais j'avoue, moi aussi. Par contre, ce qui est quand bien. On en fait, la vision d'adulte, tu fais quoi? Tu travailles, tu fais rien, tu passes plus de temps avec tes potes. Quand t'es gamin, tu fais quoi? Tu joues, le con, tu t'amuses. Effectivement aussi. Il est pas qu'en flag. Oh. Eh, mais moi aussi, je veux que j'en te crois, wesh. Je savais pas qu'ils en avaient fait. Que? Non, rien. Je parle tout seul des fois. Ah, ok. Un gamin. Dans le gamin, il y a un A entre le A et IN ou il y a. C'est un A, I, F. Il y a un IN seulement, non? Non, je crois qu'il a bien écrit. Putain, comme mon téléphone, il me semble. Ouais. Oh non, j'ai de la batterie dans mon téléphone. Oh yes. Parce que si j'ai fini une phrase sans faute, je les félicite. Ah non, attends. Google. Gam. Gamma. Non, gam. Avec un A, ça donne quoi, gamma? Non, ah, il a bien écrit, hein. Ah ben, t'as brûlé le champagne. Je crois que ça prouve où il a bien écrit un truc. Alors là, franchement, je le félicite. Ah non. Qui? Non, attends, je crois qu'il s'est trompé. Ben non, j'étais vérifié sur Google, il y a bon. Ah non, moi, gamin, il met une fille, hein. Il met une fille déjà en premier plan. Et puis, il met même une ville. Ah. Il met même une ville. Non, moi, gamin, en fait, c'est tout simplement que j'avais pas vu, mais il a. Comment? Il avait corrigé, voilà, je cherchais le mot. Et ça, qu'en fait, s'il avait pas mis le AA, il avait eu juste. Il
double A entre le M et le I. Sinon, le G et M, c'était bon. Après, ça dépend. Du coup, il écrit comment, gamin? Ouais, je sais pas. Mais après, sur Google, c'est qu'il m'a toujours... Du coup, il écrit avec le A ou pas? Avec le quoi? Il écrit avec le A ou pas, gamin, au final? Ah, il a écrit avec le A, mais moi, sans... Avec le A, moi, il met un musée. Donc, bon. Bah, du coup, tu dis. Ah, si, t'attends. T'attends, gamin ou gamin? Attends, qu'en fait, en même temps, pour moi, il y a un petit débat là-dessus. C'est un peu comme. Bah, pour moi, c'est gamin sans A. Parce que gamin, c'est petit garçon, ça vous rend aide et c'est un nom qui est masculin. Du coup, c'est quand même petit garçon. Mmh. Alors que gamin, moi, c'est un musée, c'est une ville et tout. Donc. Entre le I et le. Entre le M et le I. Bon, par contre, ça commence à être long, putain. Je suis encore dans le chargement. Et au pire, même si c'est trompé, il a fait une phrase où il n'y a pas de faute. Mmh. Salutations, bonsoir. Bon, même s'il y a deux mots, c'est déjà bien. Du coup, bravo. Bravo. Quoi ? Tu t'es fait démonter ? Attends, c'est quoi la vidéo que t'as fait ? Désolé. Je sais plus. Attends, je redoute si je l'écoute. Sérieux? C'est quoi son snap du coup? En échange, c'est que je vais te donner mon secret, Romain. On fait ça comme pacte. Et t'inquiète pas, je sais pas savoir si ce sera elle ou pas. Je te donnerai mon plus précieux secret. Le snap de Emma contre mon plus grand secret que j'ai. Mais attention, j'ai réussi avant. Allô, allô? M'entendez-vous? Ok. J'ai vu ta vidéo. À la fin, t'as fait le pisse de Squeezie, t'as fait ciao. Le pisse de Squeezie, quoi. Ok. Mais genre l'ancien pisse de Squeezie dans les anciennes vidéos, je sais pas si tout. T'as fait pisse, mais en mode ciao. Ok. C'est bien. Tu vois, ma copine Irène elle m'a donné son snap. OMG. Prends que ça tourne mal. Je sais pas son snap. Quoi de qui avec ma copine Ok, non, je laisse tomber. J'ai pas son snap, mais tu vois, ma copine Irène elle m'a donné son snap. J'ai pas son snap. Mais pardon. Toi aussi, t'as compris comme moi. Mais oui, on est d'accord. Il a dit, tu vois, ma copine Irène m'a de. Bah, donner son snap. Je n'ai pas son snap. Pardon ? Qui... Ok. Logique. Et... On a mal lu ou... Non, enfin... moi j'ai compris ça. Bah oui, moi aussi. Et ma copine m'a donné son snap, j'ai pas son snap. Mais ma copine hashtag meuf m'a dé son snap, elle m'a envoyé sa photo. J'ai envie de lâcher un truc, mais je vais désactiver ma voix. Voilà, hop, désactiver ma voix. On va mettre ma chatte juste. Ouais. Elle est blonde aux yeux bleus. Mais je pense pas
que ce soit réellement Emma, parce que Emma, elle a deux cheveux. Deux couleurs de cheveux plutôt. Ouais. Bah je pense. Bah c'est Emma un peu sa sa copine irréelle. J'ai mis ma voix dans le chat du jeu. Ah ok. Oui tiens. Attends. Oui mais le snap. Ah ok non. Bah oui. Oui non, il parle oui. De... Oui. Non, 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 en fait, pas c'est de... pas Emma. De... Non, c'est pas Emma. Ouais. J'ai cliqué sur encore une fois. Yes. y a qui dans ce monde là, ce sous? Je sais pas. Attends, moi j'ai encore chargement, ça me fait chier. Non, Emma, c'est une amie. Ouais, c'est vrai. Attends, Romain, il est d'accord. Du coup, si Emma, c'est une amie, l'autre, c'est pas une amie, celle qui t'a envoyé son snipe. Son snap. Du coup, ça veut dire que tu sors avec, non? Faut que tu m'expliques. Ouais. Je suis perdu. Je veux mon explication tout de suite. Non, je pense pas qu'il finira meilleur buteur. Cinéma il reste peut-être, mais cinéma il part. Je pense que c'est mort pour lui. Je sais pas, j'suis en train de réfléchir. Tu réfléchis à la vie. Ok. Je veux avoir une éclipse si ça se trouve. Vous connaissez-vous? Enfin bref, on s'en fout. C'est le moment du quiz, mon petit pote. Mario Balotelli, tu connais? On va voir si tu connais toutes ces phrases. Hein? 5 questions sur Mario Balotelli et montre-nous que tu es... Quoi? Non, je croyais que tu m'avais appelé. Oui, ma copine m'a dit. Let's go. Question numéro 1, on attaque avec du très lourd. Comment Balotelli a-t-il mis le feu à sa maison? Ah, on comprend pas qu'il ne... Alors comment ça dit? Ah ça doit être Groot je pense.
French are very nice. They are very fun people. Yeah, they are dancing non-stop here. Friends from Ireland, we're here to get f***ed up. Je vais vous montrer notre petit entrepôt du déco. On a des petits sacs, tout ça, avec des petites râpes musicales. On a une petite tente. Ok, ça marche. Putain, moi je suis coincé dans le chargement, c'est chiant. Ah, du coup, je crois qu'il s'est cassé. Ah non, ouais, plus ou moins alors quoi. Putain, et sans déconner, je me fais grave chier. J'ai envie de relancer un live, mais quand je vois l'heure, j'ai eu la flemme. C'est dans la description. Tu te souviens de Nate là qui est venu en vote hier? Ouais. Ouais bah. Ah c'est plus un ami mais non c'est mort. Je vais te fumer Nate. Oh pourquoi t'es avec lui? Alors là. T'es avec lui? Oui je suis avec lui un pote mais genre. Moi là, je te jure je vais te fumer. Qui me saoule. Moi j'attends comme un condor écran de chargement, ça fait peut-être un quart d'heure. Je comprends pas pourquoi, il y a des gens, je les ajoute en ami, vas-y ils sont sympas et après ils font trop les ouf avec moi en session. Mmh. Ah ça une fois ça se fouille, il y a un gars de mes amis, j'ai supprimé juste pour ça. Tu peux m'envoyer un invite? Vas-y, je détruis Night et ça vite. Je suis un peu naïf hein, quand même. J'aurais pas dû ajouter un ami, je sens que j'ai encore lui supprimé. Ouais. J'ai invité une invitation. Ah, parfait. Ah putain, que ça va faire, je sais pas. Ça va faire, je sais pas combien de temps que j'attends. C'est chiant. Après, le problème, tu sais, j'ai envie de relancer le jeu, mais le problème, c'est que ça a arrêté le live. C'est long. Romain. Ah merde. Bon, moi je vais te laisser, je vais aller dodo donc. Ah bah moi aussi que je pense. Ah bah moi aussi j'ai arrêté aussi car j'attends donc bon ça consomme. Ok. Ah, me casser bon les bah à plus hein. Ouais à plus. À plus. Ah je suis désolé Romain mais c'est trop lent. Je vais arrêter le live. Mais reviens demain, demain il y a une forte chance que ce soit du pas du SAO, du Call of normalement. Demain matin, je pense, il y aura du live. Il y aura un live. Donc n'hésite pas réellement à te rabonner Romain. C'est vrai que je suis un petit peu taquineur, plutôt bordel quoi, mais bon.
Après, même si des fois que t'es parti dans un délire fou furieux, avec Groot, c'est tout simplement qu'on a essayé de te raisonner, mais bon, enfin bref. Passe une bonne soirée, ciao. Yeah. Allez, ciao!